Bien. En attendant, j'ai une petite nomination à vous faire, puis en plus comme c'est une nomination importante. C'est la nomination d'un rapporteur sur la proposition de loi déposée par M. Sacha Ollier, c'est-à-dire moi-même et Mme Aurore Berger, visant à faciliter le passage et l'obtention de l'examen du permis de conduire. Et si vous ne voyez pas d'inconvénient, j'ai déposé ma propre candidature, ce qui implique que je suis donc désigné rapporteur. Un texte que nous examinerons le 15 mars en commission et le 27 mars pour la semaine de l'Assemblée. Voilà. Donc, et on va naturellement suspendre en attendant la présidente Berger qui est rapporteure du texte suivant.
C'est bon pour tout le monde ? Allez, on y va. Donc on examine, comme vous le savez, la proposition de loi visant à étendre le champ d'application de la peine complémentaire obligatoire d'inéligibilité au cas de condamnation pour des violences aggravées ayant entraîné une incapacité temporaire. La rapporteure est Madame la Présidente Aurore Berger et je lui cède immédiatement la parole. Je vous précise au préalable que le texte sera examiné lors de la semaine de l'Assemblée nationale, c'est-à-dire la semaine prochaine, le mardi 6 mars, dans le cadre de l'heure du jour de le 7 mars. Pardon. Effectivement, il y avait une petite erreur que je n'ai pas corrigée moi-même. Et donc qui sera pour la semaine de l'Assemblée proposée par le groupe Renaissance. Madame la rapporteure, Madame Berger, vous avez la parole. Merci Monsieur le Président, mes chers collègues. La proposition de loi que nous avons écrite avec le président de la Commission des lois, Sacha Houlier, et que je présente devant vous aujourd'hui, s'inscrit dans la droite ligne des dispositifs de probité que nous avons votés au début du mandat précédent. Je voudrais revenir avec vous rapidement sur ce cheminement législatif qui explique cette évolution que nous proposons aujourd'hui. En 2017, en cohérence avec le programme du président de la République, nous avons adopté, vous le savez, la loi pour la confiance dans la vie politique qui visait à renforcer la dignité de la vie publique. Accroître la transparence à l'égard de nos concitoyens, garantir l'exemplarité des élus, renforcer le contrôle du financement de la vie politique sont les grands objectifs qui ont alors motivé notre action. L'article 1er de cette loi que nous avions adoptée visait à renforcer l'exigence de probité des élus du point de vue des condamnations pénales. Nous avions alors évoqué plusieurs solutions juridiques. Notre commission s'était tout d'abord prononcée en faveur d'un dispositif qui exigeait de tous les candidats aux élections un casier judiciaire ne présentant pas de mention de condamnation pour certaines infractions. On l'avait alors, vous en souvenez, improprement d'ailleurs, qualifié de casier judiciaire vierge. Mais en réalité, cela ne concernait que certaines infractions qui étaient alors énumérées, listées dans le texte de loi. Il existait un réel consensus entre nos différents groupes, majorité et opposition, sur ce dispositif dit du casier judiciaire, mais des doutes importants sur sa conformité à la Constitution avaient alors émergé. Ce sont ces mêmes risques d'inconstitutionnalité partagés par la présidente de la commission de loi de l'époque, Yael Braun-Pivet, et par la garde des Sceaux, Nicole Belloubet, qui ont finalement conduit notre Assemblée à modifier l'article 1er en séance publique pour voter une peine complémentaire obligatoire d'inéligibilité prononcée par un juge, je le rappelle, qui conserve sa pleine liberté de pouvoir y déroger dans une décision qu'il doit alors spécialement motiver. Il y avait alors un débat sur la forme juridique, mais dans les deux cas, ces dispositifs poursuivaient le même objectif politique, garantir la probité des élus et des personnes candidates à une élection. D'ailleurs, la façon de procéder était finalement assez proche, puisque pour chacun des deux dispositifs étaient listées les infractions devant être concernées, frappées par l'inéligibilité. Or, comme pour toute liste, on y est souvent et régulièrement confronté, la question se pose de savoir quelles infractions devaient y figurer. C'est sur ce point qu'intervient la proposition de loi que nous examinons aujourd'hui et qui vise à compléter et non à modifier l'article que nous avons créé en 2017. En plus des crimes, nous avions en 2017 choisi d'intégrer à cette liste plusieurs délits considérés comme incompatibles avec l'exercice d'un mandat électif, incluant par exemple les faux, la fraude électorale, la fraude fiscale aggravée et les manquements aux obligations en matière de financement politique. Nous y avions également ajouté les délits de discrimination, certains actes de violence, les agressions sexuelles, le harcèlement moral ou le harcèlement sexuel. Avec le groupe Renaissance, il nous semble aujourd'hui que nous avions alors oublié de prendre en compte des actes qui sont pourtant contraires à l'idéal républicain et qui ne manquent pas de heurter et légitimement nos concitoyens. Je vous propose donc aujourd'hui d'élargir la liste des infractions pour lesquelles la peine complémentaire d'inéligibilité peut être prononcée, en y incluant des violences aggravées ayant entraîné peu ou pas d'incapacité temporaire telles que sanctionnées à l'article 222-13 du Code pénal. Cet article auquel nous renvoyons prévoit 23 circonstances aggravantes. 23 circonstances qui manifestement portent atteinte aux valeurs républicaines que tout élu devrait partager. Violence à caractère raciste ou antisémite, violence intrafamiliale, violence conjugale, violence contre des personnes vulnérables ou en situation de handicap, violence commise à raison de l'orientation sexuelle. Ces exemples sont, je crois, suffisamment parlants pour illustrer la démarche qui nous anime aujourd'hui. Notre objectif est de garantir l'exemplarité des élus de la République, car la confiance que les citoyens nous portent est une exigence fondamentale
même le socle, de toute démocratie représentative. Qui peut comprendre qu'une personne condamnée pour des violences racistes, pour des violences antisémites, pour des violences homophobes, pour des violences commises contre un conjoint ou son propre enfant, puisse demain briguer ou exercer un mandat électif public ? Qui peut raisonnablement s'opposer ou ne pas prendre position en s'abstenant sur cette mesure et cette attente forte partagée par les Français ? J'espère sincèrement qu'en examinant ce texte, nous aurons cet objectif commun à l'esprit. J'espère que nous retrouverons le consensus qui existait en 2017 en adoptant à l'unanimité cette proposition. Je vous remercie. Merci Madame la rapporteure. Je vais appeler les orateurs des groupes, en commençant par Madame Sabrina Agresti-Roubache pour le groupe Renaissance pour une durée de 4 minutes maximum. Merci Monsieur le Président. Madame la rapporteure, mes chers collègues, la vie politique est de façon récurrente secouée par l'apparition d'affaires qui, fondées ou non, suscitent des réactions de société. Ces réactions manifestent l'attachement à des valeurs qu'il convient d'entendre. Ces dernières années, les citoyens ont marqué un profond attachement à la transparence et à la moralisation de la vie politique. Cet attachement nous oblige. Il nous oblige car le mandat public électif confère responsabilité et devoir, parce qu'il porte la voix des citoyens. Il nous oblige car au-delà de la légitimité des suffrages, seule exigence d'une intégrité politique permettra de renouer avec cette confiance indispensable des citoyens envers leurs représentants. Sur le plan juridique, le droit positif compte des avancées introduites par plusieurs réformes successives. Les lois organiques et ordinaires du 11 octobre 2013 relatives à la transparence de la vie publique, la loi du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière, la loi du 20 avril 2016, la loi Sapin 2 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, et enfin, en 2017, soutenue et portée par notre majorité, les lois organiques et ordinaires pour la confiance dans la vie politique. Cette dernière loi ordinaire a permis d'étendre substantiellement le champ d'application de la peine complémentaire obligatoire d'inéligibilité introduite par la loi Sapin 2. Au terme de la loi du 15 septembre 2017, cette peine est donc obligatoire en cas de condamnation pour tout crime ainsi que pour des délits limitativement énumérés par la loi, tels que les manquements à la probité, dont la fraude électorale ou la fraude fiscale aggravée, les agressions sexuelles ou encore les discriminations et les violences graves. Plus récemment encore, la loi du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure a complété cette liste avec le délit relatif aux violences commises à l'encontre des forces de sécurité intérieure, qu'elles aient entraîné ou non une incapacité temporaire de travail. Ces lois ont permis de raffermir les fondements de notre contrat social, c'est-à-dire le lien de confiance entre les concitoyens et les représentants politiques. Ces textes, dont celui de 2017, porté à adopter dès le début de la législature précédente, mettent en œuvre des mesures concrètes pour apporter plus de transparence au monde politique et renforcer les exigences en matière de probité et d'exemplarité des élus. Ils proscrivent ainsi définitivement certaines pratiques et organisent les conditions de possibilité d'un vrai choc de confiance entre les citoyens et leurs représentants. En cohérence avec ces différentes avancées législatives pour la confiance et la transparence du monde public et politique, il nous faut aller plus loin. Aller plus loin car le mandat électif public doit répondre aux plus hautes exigences de probité. C'est exactement l'objet de cette proposition de loi. Elle tend à étendre la peine complémentaire obligatoire d'inéligibilité aux violences aggravées visées par l'article 222-13 du Code pénal, c'est-à-dire aux violences commises notamment sur un mineur de 15 ans, sur une personne vulnérable, sur le conjoint avec une arme ou encore sur les personnes dépositaires de l'autorité publique ou chargées d'une mission de service public ayant entraîné une ITT inférieure ou égale à 8 jours ou n'ayant pas entraîné d'ITT. L'exigence d'exemplarité que porte ce texte est partagée, je le sais, mes chers collègues, par bon nombre d'entre vous, sur tous les bancs de cette Assemblée et au-delà même de la majorité présidentielle. En témoigne l'adoption à une très large majorité au Sénat et à l'Assemblée nationale de la loi de 2017 et les ajouts au cours de sa navette portés par différents groupes pour étendre la peine complémentaire obligatoire aux violences contre les personnes. Parce qu'elle guide le sens de l'action publique, parce qu'elle permet de renouer cette confiance indispensable avec les citoyens, notre groupe votera cette proposition de loi. Je vous remercie. Merci Madame Pascale Borde pour le groupe Rassemblement National. Merci Monsieur le Président. Cette proposition, nous sommes, je pense, une majorité à en comprendre l'esprit, mais nous sommes, je le pense également, tout autant à nous questionner sur la méthode.
Plus largement, je m'inquiète d'un dévoiement de la production législative au service de l'instantané et de l'émotion, si juste et légitime soit-elle. Car c'est bien la présence dans l'hémicycle d'un député de l'une des oppositions, condamné pour violence conjugale, qui a motivé cette proposition de loi. Nous ne devons pas, nous ne devons jamais céder à la dictature de l'émotion. À l'instar d'une majorité de nos concitoyens, je condamne fermement ces actes avec la plus grande énergie, et ce d'autant qu'ils sont aujourd'hui relativisés et minimisés par une partie d'une formation politique qui stigmatise à tout va et pratique la cancel culture comme une arme de terrorisme intellectuel. Au-delà de cela, j'ai le très désagréable sentiment que nous débattons d'une loi plus politique qu'autre chose, légèrement matinée d'opportunisme dans une acception peu noble du terme. Cet opportunisme que d'aucuns se font une spécialité de reprocher à tout va à d'autres formations politiques que la leur. Il y a déjà eu des parlementaires condamnés pour avoir violenté d'autres parlementaires et cela n'a jamais donné l'occasion à une réaction législative. Il nous faut aller de l'avant, il nous faut combattre haut et fort les violences conjugales et les violences faites aux personnes en état de vulnérabilité, véritable cancer de notre société. Il nous faut faire en sorte de dissuader les conjoints violents par des peines d'emprisonnement lourdes et fermes. Mais la question de l'inéligibilité doit rester une sanction complémentaire à la peine principale, à la seule discrétion du juge, sans que le pouvoir législatif ne l'y contraigne. Par ailleurs, il n'est pas déraisonnable de penser que c'est aux électeurs, in fine, de décider ce qu'ils attendent humainement et moralement de la représentation nationale. C'est aussi cela, la démocratie représentative. Par ailleurs, les violences faites aux femmes sont un sujet trop grave pour que l'on en fasse un objet bassement politicien à géométrie variable. Il en va ainsi des intégrismes religieux, au premier plan desquels l'islamisme et ses atteintes massives et répétées à la liberté et à l'intégrité des femmes, qui ne déchaînent pas, il faut bien le reconnaître, la même passion et la même inflation législative. Dans le même temps, je me dois de souligner que près de 125 000 femmes ont été victimes de mutilations génitales et que près de 8% des femmes de Seine-Saint-Denis auraient subi une excision. Là encore, force est de constater que la réponse législative est aisante. Il ne peut pas y avoir de poids, de mesure. C'est la raison pour laquelle, à ce moment de la discussion, et je dis bien à ce moment de la discussion, sur ce projet de loi, nous ne sommes convaincus ni de sa pertinence, ni des motivations de la majorité présidentielle. L'enjeu me paraît trop vaste et important pour donner dans l'effet de manche avec une proposition qui me paraît encore une fois opportuniste et cosmétique. Les femmes et les personnes vulnérables méritent mieux que cela. C'est la raison pour laquelle, en l'état de ce texte, nous nous abstiendrons. Bien, merci. Peut-être quatre remarques avant de donner la parole à l'oratrice de la France Insoumise. D'abord, il s'agit d'une peine complémentaire que le juge est libre d'appliquer ou d'écarter. Pour ce faire, il doit prendre un jugement motivé, mais il est quand même maître de son jugement. Deuxième chose, il s'agit d'une évaluation. J'avais fait une remarque effectivement sur l'application du dispositif de la loi de 2017 après une condamnation judiciaire de l'un de nos collègues. Et il s'agit de l'évaluation d'un texte qui donne lieu ensuite à des propositions de loi pour compléter ou non les dispositifs établis en 2017. Troisième chose, sur la loi séparatisme. Des dispositifs ont été adoptés, des dispositifs importants, y compris sur la question, par ailleurs, du traitement réservé aux femmes par les intégristes islamiques, en tout cas par toutes les formes d'intégrisme, qui ont d'ailleurs donné lieu à des applications nombreuses dans les textes. Et sur la loi immigration de 2018, des dispositifs ont été adoptés pour lutter contre notamment les dispositifs d'excision, voire même pour faciliter le regroupement familial ou la protection des victimes d'excision. Donc sur tous ces aspects-là, ils ont été traités légalement par notre commission dans différents textes de loi, au moins les deux que je viens de vous présenter. Madame Danielle Obono pour le groupe La France Insoumise. La proposition de loi que nous examinons aujourd'hui vise à étendre la peine complémentaire obligatoire d'inéligibilité aux violences ayant entraîné une incapacité temporaire de travail, ITT, inférieure ou égale à 8 jours ou n'ayant pas entraîné d'ITT. Violences commises notamment, la liste est très longue, sur un ou une conjointe. Ces auteurs prétendent vouloir renforcer les exigences de probité inhérentes aux fonctions d'élus et auxquelles ils restent pleinement attachés.
de manière plus explicite, Sacha Houlier, monsieur le président de la commission des lois, deuxième signataire de ce texte, avait expliqué lors de l'annonce de son dépôt en janvier dernier, on a tiré les conséquences d'un vide juridique qu'on avait constaté lors de la condamnation d'Adrien Quatennens par la justice. Cette proposition répond donc en fait à la dynamique un fait d'actualité, une loi. Mais pas n'importe quel fait d'actualité. Une affaire judiciaire concernant un opposant politique, et au-delà de l'individu, c'est la principale force d'opposition et d'alternative à la Macronie qui est visée. Il s'agit purement et simplement d'une grossière et dangereuse instrumentalisation de la justice et de la lutte contre les violences faites aux femmes à des fins bassement politiciennes. Peut-on en effet prétendre de manière crédible être attaché aux exigences de probité, d'exemplarité, de dignité des élus quand on fait partie d'un groupe politique et qu'on soutient un exécutif qui ont à leur actif en 5 ans 11 condamnations, dont 2 pour violence conjugale avec refus de levée d'immunité pour l'un et investiture aux législatives pour l'autre, 8 mises en examen, dont le secrétaire général de l'Élysée et l'actuel garde des Sceaux accusé de prise illégale d'intérêt, et 12 enquêtes en cours, dont l'actuel ministre du Travail soupçonné de corruption et prise illégale d'intérêt et un des co-signataires de ce texte accusé de viol et tentative de viol. Vous ne pouvez arguer d'aucun magistère moral et vos justifications sont hypocrites. Vous ne faites surtout pas grand cas de la justice, car on ne peut pas raisonnablement penser renforcer quelque exigence que ce soit quand on restreint les marges d'appréciation de l'autorité judiciaire. L'extension que vous proposez de la peine d'inéligibilité vient imposer une nouvelle obligation pour les juges qui devront appliquer une peine ou motiver sa non-application. L'obligation de motivation va alourdir leur charge de travail et le temps consacré à l'explication de la décision. Les compositions de jugement déjà complètement surchargées vont devoir rédiger des motivations spéciales dans la quasi-totalité des cas où la peine d'éligibilité n'a aucun sens. Votre mesure vise en réalité un nombre de cas très minoritaires dans la masse de violences concernées que les tribunaux ont à traiter. Et en définitive, la peine sera écartée, dans la majorité des cas, pour les auteurs qui ne sont pas des élus ou militants politiques, associatifs, syndicaux, car sans utilité par rapport à leur profil. Cela revient à créer une loi pour une minorité des cas d'espèce. C'est, qui plus est, une atteinte disproportionnée à un droit civique fondamental. L'inflation pénale, et notamment l'aggravation des peines, pèse sur le fonctionnement de la justice sans qu'elle ait le moindre effet en matière de dissuasion ou de prévention de la récidive. Si un changement de culture est effectivement nécessaire dans la société et l'institution judiciaire pour mieux appréhender les violences faites aux femmes, cela doit passer en priorité pour la justice par un ralentissement de la cadence pénale pour mieux enquêter et analyser les situations particulières des personnes en cause. Il faut également permettre aux victimes de faire valoir leurs droits dans les meilleures conditions. L'urgence est à la mise en place d'un plan clair de prévention, formation, aide aux associations, investissement financier massif dans les services publics comme celui de la justice. Et par exemple, en assurant une formation spécifique et obligatoire en matière de violences sexistes et sexuelles pour tous et toutes les professionnels concernés, en créant un pôle judiciaire dans les violences spécialisé dans les violences intrafamiliales dans chaque cour d'appel, en favorisant la désistance des hommes violents avec systématiquement des stages de responsabilisation et en renforçant, par exemple, les effectifs du service pénitentiaire d'insertion et de probation. Dans votre texte, il n'est nulle part question de tout cela. Vous avez par ailleurs refusé tous les amendements que nous avions proposés sur des rapports, rien que ça, concernant ces sujets. Nous refusons, nous, l'escalade répressive qui est la seule réponse que vous apportez à tout propos sans jamais vous attaquer aux causes structurelles des problèmes ni mettre les moyens financiers pour y remédier. Merci. J'ai pratiqué effectivement, comme sur chaque proposition de loi, un examen de recevabilité des amendements. Monsieur Yann Boucard pour le groupe Les Républicains. Merci, monsieur le Président. Je serai relativement bref pour évoquer cette proposition de loi. D'abord, pour vous dire que sur le fond, on peut toutes et tous reconnaître qu'il n'est pas souhaitable que quelqu'un soit élu lorsqu'il a été condamné pour des violences commises, notamment sur un mineur de 15 ans, sur une personne vulnérable, sur le conjoint avec une arme, pour toutes les violences ayant entraîné une ITT inférieure ou égale à 8 jours ou n'ayant d'ailleurs pas entraîné d'ITT. Mais il faut, je crois, au moment où on examine cette loi, revenir sur la forme, puisque sur la forme, il faut se dire pourquoi nous sommes là aujourd'hui. C'est un coup de communication de la majorité consécutif à la condamnation d'un de nos collègues, Adrien Quatennens. Il a été cité plusieurs fois, donc je me permets de le citer. Est-ce souhaitable de légiférer aujourd'hui parce qu'il y a eu un fait qui a déclenché la polémique il y a quelques semaines? Moi, je suis d'accord avec ce qui a été dit tout à l'heure. Je pense que notre collègue doit être battu dans les urnes. Mais c'est au citoyen d'en juger. C'est au citoyen de juger s'il doit être réélu prochainement député ou pas. Ce n'est pas à la majorité parlementaire de faire un texte de loi opportuniste à ce moment-là, quelques semaines après, face à un député de l'opposition. D'autant plus que nous avons vu lors du mandat précédent la majorité siéger pendant
5 années avec, je me souviens d'un collègue en particulier que je ne vais pas citer, qui était, qui avait été mis, enfin, dont le nom était sorti dans la presse pour des faits extrêmement graves. Il ne me semble pas que vous aviez déposé cette proposition de loi que je trouve opportuniste. Donc je ne vais pas être beaucoup plus long, mais je voudrais d'abord vous dire que dans le cas présent, dans l'affaire qui vous a poussé finalement à déposer cette proposition de loi, le juge aurait déjà pu prononcer l'inéligibilité s'il l'avait souhaité. C'était déjà une possibilité qui était ouverte au juge. Est-ce qu'il y a besoin de refaire une loi pour dire au juge qu'il peut refaire quelque chose, qu'il peut déjà faire? Ça participe, je pense, de l'inflation législative qui n'est pas une bonne chose pour notre démocratie. Alors, je sais que ce n'est pas populaire et que ce serait sans doute mieux médiatiquement de dire oui, il faut absolument empêcher ce collègue de revenir à l'Assemblée, l'empêcher d'être à nouveau candidat à une élection, etc. En réalité, le juge aurait déjà pu le faire. C'était déjà une possibilité législative et ça, il faut quand même l'expliquer aux Français. Tout n'est pas que communication. C'était déjà une possibilité. Et deuxièmement, je pense que les citoyens de sa circonscription, s'ils n'en veulent plus comme députés, ils peuvent le faire battre la prochaine fois. Alors, simplement une précision. La loi pénale étant non rétroactive, il n'y a pas de possibilité d'application au cas qui a été évoqué par les collègues depuis tout à l'heure. Donc c'est bien pour l'avenir et c'est bien une mesure d'évaluation, comme je vous l'ai déjà précisé tout à l'heure. Monsieur Emmanuel Mandon, pour le groupe démocrate. Merci, monsieur le Président. Le dispositif suggéré vise à compléter la loi de 2017 qui traduisait le vaste débat de l'époque sur la probité et l'exemplarité des élus, qui avait fait l'objet d'un très large consensus politique. La moralisation de la vie publique était un thème fréquent de la campagne électorale. L'opinion publique attendait notamment du Parlement nouvellement élu qu'il prenne des initiatives pour assurer cette moralisation. Les exigences de l'opinion ne visaient pas seulement l'exercice honnête par les élus du mandat confié par le peuple, mais aussi l'exemplarité du comportement personnel dans certaines situations particulièrement sensibles, comme les violences au sein du couple et de la famille. C'est ainsi que la peine d'inéligibilité obligatoire en est venue à s'appliquer à des comportements relevant de la conduite personnelle de l'élu. À cet égard, la proposition de loi se situe bien dans la continuité de ce qui a été voté en 2017, même si elle n'apporte pas au droit positif un changement très conséquent. Les variations sur son titre ne peuvent que renforcer cette impression. Elle complète une liste de délits déjà très large et se borne à rendre obligatoire ce qui était facultatif pour les infractions prévues à l'article 222-13 du Code pénal. On pourrait se demander quelle est la logique poursuivie, alors que d'autres infractions auraient pu être retenues. L'actualité nous en fournit, hélas, de nombreux exemples. Nous devons ainsi collectivement nous interroger sur les prolongements possibles de la sanction d'inéligibilité au-delà des domaines auxquels elle s'applique maintenant. Il ne faudrait pas que, sous prétexte d'adapter le champ d'application de l'inéligibilité aux attentes de l'opinion publique, on se rapproche trop de l'idée du mandat révocatoire, soutenu par certains partis politiques et auxquels je suis personnellement opposé, au nom du respect de la démocratie représentative. À cet égard, je me situe tout à fait dans l'attitude de prudence qui animait ma collègue du Modem, Laurence Wisniewski, lorsqu'elle évoquait la difficulté de choisir entre telle ou telle infraction pour définir le champ de l'inéligibilité. Il n'y a évidemment pas de débat sur le fond et sur la condamnation des violences intrafamiliales. On comprend le sentiment de révolte et d'impuissance éprouvé par les victimes. Il serait d'autant plus regrettable de légiférer au coup par coup, si légitime soit-elle. Honnêtement, les victimes méritent mieux. De toute manière, le caractère obligatoire de l'inéligibilité n'aura pas une influence déterminante sur la réponse pénale, dans la mesure où le débat à l'audience sera globalement le même. Le juge se prononcera toujours en fonction des circonstances de l'espèce. Dans ces conditions, je ne peux qu'émettre au nom de mon groupe les plus grandes réserves sur le texte tel que déposé, qui, comme en 2017, appelle un plus vaste débat en vue de dégager une réponse réellement utile aux graves problèmes posés. Je vous remercie. Monsieur Hervé Solignac, pour le groupe socialiste. Merci, monsieur le Président. Je veux d'abord redire ici en préambule notre détermination à lutter contre toutes les formes de violence et à renforcer l'exigence de probité et d'exemplarité des élus. Le chemin est encore long à parcourir et nous apporterons en responsabilité notre pierre à cet édifice. Parmi ces violences, je veux dire aussi solennellement que le combat contre les violences sexuelles et sexistes figure pour nous au rang de priorité
et qu'elle ne saurait souffrir de la moindre forme de tolérance, quel que soit le statut de celui ou de celle qui en est l'auteur. Le groupe socialiste et apparenté estime clairement que des mesures nouvelles doivent être prises pour prévenir ces violences, mieux accompagner les victimes et sanctionner plus efficacement les coupables. Quelles que soient les critiques que nous pourrons formuler sur cette PPL, aucune d'entre elles ne doit être prétexte à remettre en cause cette détermination sincère et solide. Pour la clarté de nos convictions, je veux dire également que le statut d'élu n'emporte aucun privilège, aucun passe-droit, aucune mansuétude. Les violences de toute nature sont à combattre et à proscrire, encore une fois, quel que soit le statut de son auteur. Elles doivent être sanctionnées, et s'agissant d'un élu, sa légitimité à exercer ses fonctions peut être remise en cause. Sur ce sujet, vous aviez, Madame la rapporteure, une belle occasion de rassembler la représentation nationale autour d'un combat fédérateur. Et votre PPL aurait pu recevoir un large assentiment si vous n'aviez pas choisi de faire un coup politique dans une forme de précipitation qui vous conduit à étendre l'inéligibilité à une liste impressionnante qui figure à l'article 222-13 du Code pénal. Il ne fait aucun doute que si vous aviez fait le choix de cibler uniquement les violences conjugales et intrafamiliales, vous auriez reçu un très large soutien, mais je veux croire que la séance peut encore vous permettre de resserrer ce cadre à ces seules violences, et c'est à l'aune de cette séance que nous prendrons une position définitive. Nous ne sommes pas dupes de la manœuvre, en quelque sorte, et le fait qu'elle fleure bon le populisme ne semble pas vous embarrasser. Quelle audace quand même, quand on sait qu'il y a quelques jours encore, votre formation politique hésitait à investir l'un des vôtres pour une législative partielle, la 9e de l'étranger, un ancien collègue condamné en première instance à 3 ans de prison, dont un ferme, et 2 ans d'inéligibilité pour violence volontaire sur un responsable du Parti socialiste. Nous regrettons par ailleurs de ne pas vous avoir beaucoup entendu lorsque un ancien collègue député de l'Ain a été jugé coupable de harcèlement sexuel sur sa collaboratrice parlementaire. Lorsqu'un ancien collègue député de Gironde avait fait l'objet de nombreuses interrogations sur la nécessité ou pas de lever son immunité parlementaire que le parquet de Bordeaux avait réclamé puisqu'il demandait sa garde à vue. Je pourrais ici revenir aussi sur le cas d'élus locaux qui appartiennent à votre famille politique et qui continuent à exercer des fonctions de maire ou de conseiller régional malgré des condamnations par des tribunaux judiciaires pour des faits de violence conjugale. Cet exemple précis soulève d'ailleurs la question de la poursuite de l'exercice d'un mandat d'élu s'agissant de personnes qui ont été condamnées pour des violences sexistes ou sexuelles. On peut légitimement regretter que le gouvernement n'utilise pratiquement pas son droit de révoquer des élus coupables de crimes ou de délits. Alors si je dresse cette liste qui n'a rien d'agréable, ni non plus rien d'exhaustif, c'est aussi pour rappeler que devant un sujet aussi grave et sérieux, on ne peut faire illusion, on ne peut se parer de toutes les vertus ou s'acheter une bonne conscience à moindre frais. Vous auriez pu décider d'une initiative pluraliste pour emmener avec vous un large panel de députés dans une réflexion collective. Vous auriez pu chercher à traiter de la longueur des procédures pour ceux qui ne plaident pas coupables et utilisent toutes les voies de recours au détriment des victimes. Au lieu de cela, vous étendez presque aveuglément la peine complémentaire obligatoire d'inéligibilité dans une précipitation qui démontre que finalement la communication politique est peut-être plus importante pour vous que le résultat réel que votre PPL ne parviendra malheureusement pas à atteindre. Madame Marie-Agnès Poussier-Vinsbach pour le groupe Horizon. Oui, Monsieur le Président, Madame la rapporteure, chers collègues, la proposition de loi qui nous est soumise aujourd'hui vise à rendre obligatoire le prononcé d'une peine complémentaire d'inéligibilité pouvant aller jusqu'à 10 ans pour celui ou celle qui se rendrait coupable de violences dites aggravées ayant entraîné une ITT inférieure ou égale à 8 jours ou aucune ITT. En l'état du droit, une personne qui se rendrait coupable de telles violences sur son conjoint, sur son enfant ou sur une personne exerçant une mission de service public, une personne faible, peut déjà être condamnée, ça a été dit à plusieurs reprises, à une telle peine complémentaire. C'est une faculté donnée au juge dans le cadre de son appréciation des circonstances de l'infraction et de la personnalité de l'auteur, et ce, conformément au principe d'individualisation des peines. À côté de cette faculté, le Code pénal prévoit que pour les délits et les crimes les plus graves, ou ceux qui traduiraient d'un manquement à la probité élémentaire, favoritisme par exemple, cette peine complémentaire soit obligatoire. Ces dispositions essentielles tendent à encadrer les comportements des élus de la République. C'est un sujet majeur de notre démocratie, de la confiance des électeurs dans leurs représentants et dans leurs institutions. Nous sommes absolument convaincus que cette confiance est indispensable au bon fonctionnement du système électoral, qui repose sur la probité, l'impartialité et la déontologie que chaque élu doit respecter. Lorsqu'un élu manque à son devoir, c'est toute la démocratie qui en est fragilisée.
C'est la raison pour laquelle les gouvernements et majorités successives se sont attelés à poser des règles. Transparence des financements, préventions et cessation des conflits d'intérêts, conditions d'embauche, de nomination des collaborateurs ou encore d'inéligibilité. Mais qu'est-ce que l'on veut dire aujourd'hui ? Que la justice serait laxiste, qu'elle ne prononcerait pas suffisamment cette peine d'inéligibilité pour que nous soyons conduits aujourd'hui à examiner cette proposition de loi ? En effet, dans les cas visés de violences aggravées, cette nouvelle disposition a pour objectif d'obliger le juge à prononcer cette peine complémentaire et non plus seulement lui offrir cette possibilité comme c'est le cas aujourd'hui. Si nous sommes totalement d'accord sur la nécessité de sanctionner plus fermement les personnes qui se rendent coupables de délits qui portent atteinte au fondement même de notre démocratie, mais l'honnêteté nous oblige à vous dire que cette proposition de loi nous interroge sur plusieurs points. D'abord sur la temporalité. Notre groupe estime que notre rôle de député est de légiférer pour l'avenir, de penser le temps long, de ne pas se laisser embarquer dans une forme de surréactivité de l'instant, un fait divers, une loi. Ensuite, du point de vue de l'échelle des peines. Aujourd'hui sont visés par le prononcé d'une peine d'inéligibilité les délits les plus graves, comme l'infirmité permanente ou ceux directement liés à l'exercice d'un mandat, comme le favoritisme. N'est-il pas opportun de distinguer le caractère obligatoire du prononcé d'une telle peine pour les délits les plus graves et de laisser à l'appréciation du juge son prononcé pour les autres délits ? Rappelons que l'impunité n'est jamais de mise, puisque dans ce dernier cas, c'est une faculté dont le juge apprécie l'opportunité de cette peine complémentaire. Enfin, cette proposition de loi nous interroge sur la vision que nous devons avoir de la politique pénale de réinsertion que nous devons mener en matière de primo-délinquance. Doit-on vraiment traiter de manière équivalente un primo-délinquant et un récidiviste ? La première condamnation doit se donner comme un objectif principal, outre punir, de prononcer la peine qui sera la plus efficace pour dissuader son auteur de passer à nouveau à l'acte. Lorsque cette peine n'a pas empêché la récidive, l'auteur, pourtant totalement conscient des risques, doit alors être sanctionné avec la plus grande fermeté. Ne serait-il pas pertinent de prévoir cette forme de peine minimale pour les auteurs de violences aggravées commises en récidive légale ? Vous l'avez compris, nous avons de nombreuses questions qui font que, comme notre collègue qui a utilisé une jolie formule, nous sommes très réservés sur ce texte. Madame Émeline Kerbidi, pour le groupe Gauche démocrate et républicaine. Merci, Monsieur le Président. Madame la rapporteure, par cette proposition de loi, vous ajoutez les violences aggravées parmi les délits pour lesquels la peine complémentaire d'inéligibilité est obligatoirement, mais pas automatiquement, prononcée à l'encontre d'un élu auteur. Cela inclut notamment les violences exercées sur mineurs ou sur personnes vulnérables ou encore sur conjoints. Soyons clairs, cette PPL ne vient pas lutter contre le fléau des violences intrafamiliales. Elle n'apporte ni moyens supplémentaires ni actions concrètes en la matière. Et j'entends que cette PPL est symbolique. C'est le symbole d'une tentative de renouer la confiance des électeurs envers les élus en affirmant leur devoir d'exemplarité. Tout du moins dans l'affichage que vous en faites. Car ce devoir d'exemplarité, vous ne l'appliquez qu'à une frange de la classe politique que vous appelez opposition. En effet, vous me permettrez de trouver quelque peu cocasse que cette proposition émane de vos rangs. Mes chers collègues de La République En Marche, parmi les vôtres, tant d'affaires, tant de mises en examen. François de Rugy, Richard Ferrand, Muriel Pénicaud, Nicolas Hulot, Éric Dupond-Moretti, Gérald Darmanin, Sébastien Lecornu, Agnès Buzyn, Damien Abad, Olivier Dussopt, et j'en nommais évidemment parce que le temps de parole est limité. Je vous vois déjà élever les contestations, présomption d'innocence, affaires classées, jugées sans suite. Seulement voilà, le président Macron avait placé le début de son mandat sous le signe de la moralisation de la vie publique. Et lors de sa campagne en 2017, il avait affirmé qu'un ministre mis en examen ne pouvait rester en poste. Rétablir la confiance dans la vie politique, voyez-vous, c'est d'abord tenir ses promesses. Et je ne parle pas là des retraites. Rétablir la confiance dans la vie politique, c'est aussi agir de façon objective et transparente, et non à dessein, à des fins politiciennes. Si vous aviez vraiment voulu renforcer l'exemplarité des élus, vous auriez sûrement agi différemment vis-à-vis de votre ancien collègue Benoît Simian. Je ne parle pas ici d'une affaire ou de plainte classée sans suite, mais de quelqu'un qui a été condamné par la justice pour avoir harcelé sa femme. Et à l'époque, il y a 7 mois seulement, cette proposition de loi ne vous avait pas effleuré. Quelques rappels pour ceux qui nous regardent. Monsieur Simian a été condamné à 8 mois de prison avec sursis, assorti d'une interdiction de s'approcher de son épouse ou de son domicile pendant 1 an pour l'avoir harcelé.
Et je vous rappelle qu'à l'époque, le bureau de l'Assemblée nationale, qui était majoritairement composé de députés LREM, avait refusé la levée de son immunité parlementaire. C'est pourquoi, vous me permettrez, je m'interroge. Pourquoi ce revirement soudain ? Le timing politique est opportun et nous l'avons bien saisi. Si cette proposition de loi peut être analysée comme un message positif pour les victimes, sachez que nous ne sommes pas dupes des intentions qui vous animent. Ce sujet est trop grave pour être instrumentalisé et pourtant, vous l'avez fait. Le groupe GDR sera donc attentif à nos travaux en commission et se déterminera à leur issue. Je vous dirai notamment un mot en ce qui me concerne et à titre très personnel. Je me suis attachée au fond et uniquement au fond. J'ai essayé de faire abstraction et du timing et de vos intentions. Et c'est pourquoi je voterai cette proposition. Mais sachez que si demain, vous déposez une proposition de loi sur la fin de l'opportunisme politique, je la voterai aussi. Madame Sandra Regol pour le groupe écologiste. Bonjour à toutes et tous. Bonjour à toutes surtout. Hein. On est 37% dans cette Assemblée nationale à savoir ce que ça signifie le cas particulier des femmes en politique. Et Madame la rapporteure, vous êtes bien placée pour le savoir. Je me souviens, parce que j'ai un peu de mémoire, que vous étiez l'une des rares femmes de droite à avoir témoigné dans le cadre de MeToo. Un témoignage qui ne vous a pas rapporté sur les premiers temps que du bonheur, mais qui s'est mieux concrétisé ensuite. Et c'est rude, parce que pendant toute l'ancienne mandature, on est nombreuses à avoir subi, impuissantes, tous ces cas dont on vient de parler. De M. Benoît Simian, condamné à 8 mois de prison avec sursis, 40 chefs d'accusation, 2 femmes harcelées. Ou M. Trompi, dont on a parlé tout à l'heure, sans citer le nom, condamné pour harcèlement sexuel sur une collaboratrice, avec en plus une capacité à être au-dessus et à prendre du pouvoir sur les personnes qui travaillent pour nous, avec nous et au service de la nation. Tous ont échappé à l'inéligibilité aussi bien qu'à des sanctions de l'Assemblée nationale qui en est fort dépourvue. La justice, elle aussi peine, faut pas se voiler la face, à apporter des réponses aux victimes. En 2020, c'est 0,6% des viols déclarés qui ont été jugés. Environ 100 000 femmes avaient été violées la même année. Je vous laisse faire le calcul de celles qui se taisent, de celles qui souffrent et de celles pour qui on n'apporte aucune réponse dans nos murs et en dehors. Alors oui, il est temps de réagir. L'exemplarité, la probité, c'est ce qui fait le cœur de ce que vous nous avez expliqué. C'est aussi ce qui fait le cœur du contrat de confiance que l'on passe avec la nation. Mais je ne vais pas revenir sur tout ce qui s'est dit, mais affaire après affaire, mise en examen après mise en examen, non-lieu pour prescription après non-lieu pour prescription, condamnation après condamnation, ce contrat, il est plus que mis à mal et on a un devoir accru d'exemplarité collective. Alors oui, il est temps d'agir. Et ça tombe bien parce qu'on a des exemples de ce qui fonctionne. Dans un autre Parlement, le Parlement européen, un Parlement où on a toutes et tous des collègues qui siègent. Là-bas, depuis 2014, il y a des choses qui ont été faites autour de l'idée de l'exemplarité de l'élu et tout tourne autour de ça. Avec des solutions qui permettent d'agir dans ces murs et en dehors. 2014, mise en place du comité consultatif sur le harcèlement moral et sexuel et sur sa prévention. 2017, le Parlement assume sa responsabilité par une résolution. Il assume de débattre en séance sur des outils pour avancer, pour être exemplaire pour toute la société. Rebelote en 2018, rebelote en 2019. Où on en est à l'Assemblée ? C'est la Fondation Jean Jaurès qui le dit le mieux. L'Assemblée nationale, c'est la seule qui refuse d'avancer. Elle se distingue, je cite, par la lenteur de la mise en place d'un dispositif et à rebours de toutes les autres institutions, par le refus de vouloir assumer une responsabilité propre en matière de sanctions des élus mis en cause. Oui, nous refusons d'agir et oui, vous repoussez sur la justice qui n'a pas les moyens de traiter tous ces cas, encore plus de choses là où on a le devoir d'agir et d'assumer nous-mêmes ce qu'on doit porter. Votre proposition de loi, c'est l'observatoire des violences sexuelles et sexistes en politique qui en parle le mieux. Elle en fait un bilan acide. Elle dit, je cite à peu près, « Le groupe Renaissance a choisi d'intervenir sur un champ extrêmement réduit. Elle parle d'une loi ad hominem qui ne permet de répondre qu'à un champ très étroit des violences sexistes et sexuelles commises par des hommes politiques. Un champ qui exclut, en fait, les 99% des femmes qui ne trouvent jamais de réponse à leurs plaintes. » Alors vous savez, je suis plutôt optimiste et je crois qu'on a le pouvoir de changer les choses ici. Je viens d'un parti qui ne s'est jamais caché, qui n'a jamais eu de pudeur, qui a pris des décisions difficiles dans une société qui les refuse et dans un champ politique qui les condamne. Je pense que vous avez encore 2 choix, maintenant et dans les 15 secondes qui me restent. Le choix de reprendre les mots de votre première ministre et de co-construire avec nous une véritable loi d'action pour agir.
ou alors continuer dans ce qui a été dénoncé par toutes les oppositions ici et n'être que dans la communication. C'est à vous de choisir votre camp, Madame Berger. Merci, Madame la rapporteure, pour votre réponse à ces orateurs de groupe. Non, il part après. Monsieur Breton, est-ce que vous voulez prendre vos 2 minutes maintenant, parce que vous êtes le seul inscrit ensuite? Merci, Monsieur le Président. Non, c'était juste quelques mots. Alors, je vais m'excuser auprès de ma collègue, je parle en tant qu'homme, donc ça ne va pas très bien après ce qu'elle a dit. Mais j'ai écouté effectivement les différentes interventions et j'étais très intéressé par les orateurs de groupe qui faisaient part de réserves et qui ont eu le courage de le faire. Et je crois effectivement, Madame la rapporteure, mais également présidente du groupe, qu'il faut faire attention à trop jouer avec l'actualité, la manière dont c'est fait, qui discrédite à la fois votre démarche politique, mais également le travail législatif. Je crois qu'on est là, effectivement, non pas pour légiférer sur des cas particuliers, mais pour, effectivement, regarder par rapport à des faits de société, comment on peut améliorer les choses. Et on se rend compte qu'effectivement, votre proposition de loi soulève beaucoup d'objections. Vous la partagez avec votre groupe. Le président de la commission des lois a eu l'occasion de répondre d'ailleurs au fur et à mesure aux orateurs sur différents points. Mais je crois qu'il faut être très prudent dans la matière, non pas par rapport à la justice, le travail qu'elle a à faire et qu'on respecte complètement, mais dans la manière dont on surajoute par rapport à une actualité et où on crispe les choses. Et vous avez une responsabilité d'autant plus importante que vous êtes présidente d'un groupe majorité relative, mais quand même, et très clairement, les signaux qui vous étaient envoyés par les groupes, notamment de votre majorité, vous devriez les entendre, parce qu'aujourd'hui, ce qui inquiète beaucoup de nos concitoyens, c'est les libertés qui sont aujourd'hui mises en cause. C'est imaginer un pays où un groupe majoritaire ferait une loi parce qu'un député d'opposition a eu un comportement qui est inacceptable et qui a été jugé, on est d'accord, mais où il y a une loi qui se met à partir de ça, eh bien, je crois que ça interrogerait beaucoup. Donc dites-vous bien que ce pays, c'est le nôtre, c'est notre démocratie, et il faut être très prudent dans la manière dont on l'utilise. Merci. Donc j'ai plus d'orateur sur la discussion générale. Madame la rapporteure, pour votre réponse globale. Merci, Monsieur le Président, et merci aux orateurs de groupe. Je vais essayer de répondre de la manière la plus précise possible, à la fois sur le fond de la proposition de loi que je présente, les principes qui me semblent devoir être nécessaires à rappeler et sur lesquels je pense qu'il faut tenir. Et puis je vous répondrai de manière un peu plus personnelle par rapport à les interpellations qui m'ont été faites, notamment par le groupe GDR et par le groupe écologiste, parce que je crois que je peux partager un certain nombre de remarques que vous avez portées, et je retiens la sincérité des propos que vous avez eus. Sur le fond du texte, bon, pour le groupe RN, très clairement, venir s'opposer ou s'abstenir sur cette proposition de loi en arguant de la cancel culture d'un côté et de la question de la lutte contre les mutilations faites aux femmes, je veux bien qu'on essaie de trouver toutes les circonvolutions possibles pour se dire que ce n'est pas une bonne proposition de loi, mais on peut essayer d'être un petit peu raisonnable dans les arguments qui sont employés. Heureusement que dans notre pays, les mutilations faites aux femmes sont réprimées, et nettement et clairement réprimées dans notre code pénal. Heureusement, évidemment, que cela est déjà le cas et que nous n'avons pas besoin de légiférer en la matière sur les mutilations sexuelles qui sont faites aux femmes. Heureusement, évidemment, vous l'avez cité, que l'excision, par exemple, est évidemment et heureusement interdite dans notre pays. Je crois que sinon d'autres, évidemment, auraient pensé à le faire. Bref, j'avoue que je suis un peu étonnée sur cette argumentation. Vous aviez initialement d'ailleurs proposé des amendements de suppression. Je vois que vous les avez finalement retirés, mais on viendra sur les amendements que vous proposez, qui pour moi sont assez caractéristiques de la culture politique dans laquelle vous vous inscrivez, puisque vous proposez notamment de retirer du champ existant de la loi la question des discriminations, qu'un élu condamné pour discrimination ne puisse pas ensuite être frappé par une peine d'inéligibilité. Je crois et j'espère qu'il y aura un consensus pour repousser ces amendements, parce que je crois qu'un élu condamné pour des faits de discrimination mérite de pouvoir faire l'objet d'une peine d'inéligibilité, parce qu'il se met à l'écart du champ républicain et des valeurs que je crois nous partageons ici, du moins je l'espère. Sur la proposition de loi en elle-même, et pour répondre notamment précisément à Hervé Solignac et à l'interprétation. Alors,
D'un côté, on me reproche d'avoir un champ de la loi qui serait trop large. Et d'un autre côté, vous me dites, chers collègues, qu'il aurait fallu le restreindre sur l'objet des violences conjugales. Si je l'avais restreint sur l'objet des violences conjugales, deux réponses. Un, on m'aurait évidemment reproché un opportunisme politique qui aurait été, en effet, là, clairement établi. Donc, ce n'est pas le choix que j'ai fait. Mais d'autre part, la question des violences conjugales répétées, elle est déjà couverte. Ce champ est déjà couvert par la loi actuelle. La question, c'était est-ce que oui ou non, nous considérons qu'il est légitime d'élargir le champ actuel de la peine complémentaire d'inéligibilité, certes obligatoire, mais qui est toujours laissée à l'appréciation, évidemment, du juge, pour des ITT, encore une fois, pour des violences qui n'ont pas entraîné des ITT de plus de 8 jours. C'est ça la question de cette proposition de loi. Et donc, dans ce champ, malheureusement, vous avez en effet un certain nombre de champs de violences. Et je vous invite à voir l'article auquel nous renvoyons, qui est en effet un article assez exhaustif. Mais c'est très compliqué d'établir une hiérarchie. Pourquoi j'aurais fait une proposition de loi ? Pourquoi mon groupe aurait fait une proposition de loi qui ne viendrait viser que les ITT de moins de 8 jours, mais qui n'aurait concerné, par exemple, que les violences intrafamiliales ? Ou alors qui n'aurait concerné que les violences conjugales ? Ou alors qui n'aurait concerné que les violences à caractère raciste ? Ou que les violences à caractère homophobe ? Je ne sais pas faire de hiérarchie entre ces violences, parce que je considère que violences conjugales, violences intrafamiliales, violences à l'encontre des personnes en situation de handicap ou vulnérables, violences à caractère homophobe, violences en fonction de l'identité de genre, violences à caractère raciste, violences à caractère antisémite, qui sont dans le champ de la proposition de loi, sont suffisamment graves pour venir être couvertes dans leur intégralité. Et je crois que si, d'ailleurs, le législateur a condenser l'ensemble de ces infractions à l'article L222-13, c'est justement pour ne pas établir, chers collègues, de hiérarchie entre elles. Donc je crois que le champ large de cette proposition de loi est une nécessité au regard de l'éthique, je crois, que nous avons. J'entends les réserves qui existent sur à quel moment nous devons ou non prononcer et proposer une proposition de loi. Évidemment qu'on s'est posé la question. Est-ce que il faut succomber à un fait divers pour présenter une proposition de loi. C'est une vraie question. Elle s'est posée à maintes reprises. Et je pense qu'elle traverse l'ensemble des groupes politiques, l'ensemble des formations politiques. Mais on ne peut pas en permanence s'extraire non plus de l'actualité. Je crois que les propositions que nous portons, elles émanent aussi des retours qui sont ceux de nos concitoyens, qui sont alertés sur des positions publiques que nous pouvons prendre, qui sont alertés sur des comportements que nous avons ou que nous n'avons pas, qui sont alertés par des faits, tout simplement, et qui nous disent « réagissez, réagissez et agissez ». Et je crois qu'à un moment, c'est à nous de nous positionner, de prendre nos responsabilités, de se dire « est-ce que oui ou non, ces faits d'actualité par leur singularité, par leur importance, par l'écho aussi qu'ils ont auprès de nos concitoyens, justifie ou pas que nous agissions. Est-ce qu'après, la politique est en dehors du jeu ? Non. Nous sommes des élus politiques. Est-ce qu'on doit s'empêcher de faire de la politique quand on porte des propositions de loi ? Non. La réponse est non. Et je l'assume. Et je suis désolée de dire à mes collègues et les fils, je n'ai pas compris d'ailleurs la position de groupe, je n'ai pas compris si vous étiez pour, contre ou si vous absteniez, parce que vous ne l'avez pas dit, chers collègues, dans votre exposé liminaire, mais qu'à la fin, vous utilisez quand même, vous aussi, toutes les circonvolutions possibles, parce que le fait déclencheur est quelqu'un qui vous concerne. Alors je vais être très claire, on doit tous balayer devant sa porte, tous. Et les faits que vous avez notés pour certains, oui, on fait honte à notre Assemblée. Et je parle de ce qui s'est passé dans le mandat précédent. Pas citer les collègues que vous avez cités, mais je reprends vos propos à mon compte. Vraiment. Et s'il faut aller plus loin dans une logique transpartisane, je n'ai pas de problème à le faire. S'il faut aller plus loin, par exemple, sur les règles d'immunité qui existent aujourd'hui, je n'ai pas de problème à ce qu'on le fasse. Et je pense que mon groupe n'aura pas de problème à ce qu'on le fasse. Et moi, je suis prête à soutenir une proposition de loi qui émanerait de vos rangs, si vous le mettez dans une niche. Mais pour l'instant, vous ne l'avez pas proposé. Mais si demain, ça arrive dans une niche écologiste, ça arrive dans une niche communiste, eh bien, moi, je suis favorable à ça. Parce que je crois que l'immunité, elle doit protéger ce qui peut se dire au sein de l'hémicycle, mais qu'elle ne doit en aucun cas protéger des comportements qui sont déviants et qui donneraient le sentiment que les élus sont à l'écart de la République et sont à l'écart de la justice. À l'époque, je ne siégeais pas au bureau de l'Assemblée nationale. Et vous le savez, les présidents de groupe, d'ailleurs, n'ont pas le droit de vote au bureau de l'Assemblée nationale. D'autres avaient ce pouvoir. D'autres n'ont pas choisi, mais ils n'ont pas choisi à l'époque à l'unanimité. À l'unanimité. Donc ça veut dire que tous les groupes politiques qui étaient représentés autour de la table du bureau de l'Assemblée nationale à l'époque, alors oui, en effet, communistes, oui, écologistes, non, à l'unanimité, n'ont pas choisi de lever l'immunité. Donc,
Ben si. Si, si, il y avait Clémentine Autain qui siégeait pour la France insoumise, oui. Il y avait quelqu'un qui siégeait pour les socialistes, il y avait quelqu'un qui siégeait pour les communistes. Donc, s'il faut balayer devant notre porte, alors il faut tous qu'on le fasse. Et moi, je vous le dis, si vous portez, si les oppositions portent une proposition de loi sur la question de l'immunité, pour qu'enfin on clarifie ce qui mérite ou pas de relever de l'immunité, je crois que mon groupe, et notre majorité, je l'espère, sera au rendez-vous pour clarifier cette position. Parce que oui, il y a des faits qui se sont produits, qui n'ont pas fait honneur au groupe auquel j'ai appartenu, je le dis très clairement, je ne peux pas être plus claire en la matière, et qui n'ont pas fait honneur à notre institution. Et qu'après les semaines que nous avons vécues, tout ce qui peut permettre de renforcer ce qu'est notre institution à l'égard de nos concitoyens, je pense, est absolument vital pour notre démocratie, et notamment sur ces sujets-là. Ensuite, vous évoquez, Madame Régol, notamment des sujets qui ne relèvent pas, vous le savez, du champ de la loi. J'ai auditionné. C'est moi qui ai proposé d'auditionner l'Observatoire des violences sexistes et sexuelles, parce que je considère qu'ils font un travail qui est pertinent et utile. Et je leur ai dit qu'un certain nombre des propositions qu'elles formulaient, parce que c'est des femmes, en l'espèce, que j'ai auditionnées, méritaient d'être abordées au bureau de l'Assemblée nationale, parce qu'elles ne sont pas d'ordre législatif. Elles m'ont, par exemple, dit que des femmes, vraisemblablement, avaient essayé d'alerter la cellule anti-harcèlement et n'avaient pas trouvé d'écoute ou de réponse. J'ai immédiatement alerté la présidente de l'Assemblée nationale, qui immédiatement a saisi la cellule pour vérifier les faits, et que chaque femme, ou chaque homme d'ailleurs, qui pourrait demain la saisir, ait une réponse appropriée. Donc là encore, s'il faut de manière transpartisane aller plus loin, j'y suis prête et mon groupe, je pense, y sera prêt pour garantir que, quels que soient les hommes ou les femmes qui travaillent au sein de l'Assemblée nationale et qui demain pourraient être victimes de harcèlement, se sentent protégés par l'institution de l'Assemblée nationale. Voilà ce que je voulais vous dire. Je comprends, encore une fois, les réserves qui peuvent exister. Je comprends les réserves sur l'opportunité politique ou pas de légiférer. Mais vous ne pouvez pas ignorer, parce que je n'ai pas cité son nom, mais vous ne pouvez pas ignorer que le fait qu'un député condamné pour violence conjugale resiège dans nos rangs, et je sais que ça en gêne beaucoup ici, non seulement dans la majorité, mais aussi dans l'opposition et au sein de la NUPES, on en a parlé régulièrement. Et nous sommes certaines femmes à être sorties ce jour-là, et dans un état où je crois que la sincérité a fait qu'on s'est retrouvés très sincèrement ensemble. On ne peut pas ignorer qu'à un moment, tout ça existe dans le débat public. On ne peut pas ignorer que ce fait-là, à un moment, est choqué, ou en tout cas interpellé, interrogé l'opinion publique. Alors la force de la loi, c'est qu'elle n'est pas rétroactive en matière pénale. Donc il ne sera pas concerné. Donc en effet, il se représentera ou il ne se représentera pas. C'est son parti qui l'investira ou qui ne l'investira pas. Pour ma part, si j'étais présidente de son groupe, je l'aurais déjà exclu. Je ne l'aurais pas suspendu. Je l'aurais exclu, j'ai toujours dit. J'ai toujours dit que si j'étais concernée demain par un élu qui était condamné, évidemment dans la seconde même, il serait exclu de mon groupe. Donc je le redis ici pour que ce soit très clair. Mais je le redis aussi, il y a des principes qui existent. Et je ne juge pas avant les juges. Je ne juge pas avant les juges. Si nous commençons ici, en tant que parlementaires, à juger avant les juges sur des affaires qui existent, alors je crois qu'il n'y a plus de justice possible. Et si au sein de la Commission des lois et au sein de l'Assemblée nationale, nous ne tenons pas cette position, alors je crois que peu la tiendraient à l'extérieur. Donc oui, ça nous place dans des situations qui sont délicates. Évidemment que les sujets que vous avez évoqués, moi, en tant que présidente de groupe, ils me placent dans des situations délicates. Mais je ne change pas d'avis en fonction des personnes qui sont concernées. Je ne change pas d'avis en fonction des partis politiques qui sont concernés. Je tiens la même ligne. Je ne juge pas avant les juges, mais si une décision existe, si une condamnation existe, alors oui, je considère qu'une personne qui demain relèverait d'une condamnation de l'article 222-13, qui aurait donc, encore une fois, violenté un enfant, violenté un conjoint, frappé pour des raisons racistes, antisémites, homophobes ou des personnes vulnérables, n'aurait plus sa place dans nos groupes. Et j'estime que oui, les juges doivent avoir la faculté demain de pouvoir aller plus loin et de pouvoir dire que cette personne-là ne mérite pas de pouvoir se représenter devant les Français. Et d'ailleurs, ce texte, et je pense que c'est aussi important, et je finirai par là, on a vu un renouvellement, et tant mieux, de notre Assemblée. Donc ça n'est pas ici les simples élus qui sont concernés directement par cette proposition de loi. C'est tout concitoyen. Dire à nos concitoyens que celles et ceux qui, demain, voudraient être élus doivent avoir un comportement en tout point exemplaire, je crois que c'est une nécessité. Parce que ce n'est pas que les élus qui seraient concernés par cette proposition de loi. Et je pense que c'est aussi un signal envoyé à nos magistrats, et c'est d'ailleurs dans les auditions que nous avons faites un des points qui était relevé, notamment par le tribunal judiciaire, qui était de dire, parfois, finalement, cette peine complémentaire qui existe déjà, finalement, on a le réflexe de la prononcer quand les personnes qui viennent devant nos tribunaux sont déjà des élus ou des militants politiques. Eh bien, je crois que non. Je crois que ça envoie aussi un signal qui est de dire aux magistrats
quel que soit le citoyen qui se présente devant vous, pensez qu'il peut demain être un élu. Pensez qu'il peut demain se présenter devant vous. Eh bien, cela, je pense, peut pouvoir justifier que cette peine soit prononcée. Donc, encore une fois, chers collègues, j'entends les réserves qui peuvent s'exprimer, mais je crois qu'on n'est pas à l'extérieur du monde politique. Je crois qu'on n'est pas à l'extérieur, tout simplement, du pays qui est le nôtre et des doutes, des inquiétudes, des attentes qui sont celles des Français. Et si, en effet, il ne faut pas un fait divers, une loi, parfois certains faits, justement, ne sont pas tout à fait divers. Certains faits sont suffisamment interpellants dans l'opinion publique pour nous dire d'agir. Et donc la seule question qui est posée à la fin sur cette proposition de loi, pour savoir si on vote pour ou si on vote contre ou si on s'abstient, c'est un, est-ce qu'on a un avis? Et si on a un avis, on vote. On est pour ou on est contre? On ne s'abstient pas. On dit clairement, est-ce qu'on souhaite que demain, cette peine complémentaire, elle puisse être prononcée? Si on considère que ça va trop loin, alors on est contre. Mais si on considère que le juge doit pouvoir avoir cette faculté, encore une fois, pour des personnes, je le répète, qui auraient frappé leur conjoint, qui auraient frappé leur enfant, qui auraient frappé pour des raisons racistes, antisémites ou pour des personnes en situation de handicap, alors on vote pour. Parce que c'est la seule question qui est posée, parce qu'à la fin, c'est la seule question qui vous sera posée, qui nous sera posée quand cette proposition de loi peut-être fera l'actualité. La question n'est plus le fait divers. La question n'est pas la personne qui, initialement, peut-être, a permis que cette proposition émerge. Si de cette affaire, on peut retirer un consensus au sein de l'Assemblée nationale, si de cette affaire, on peut démontrer la détermination totale de notre Assemblée à agir, alors peut-être que ça aurait été positif. Et je me tiens à la disposition de tous les groupes qui veulent sincèrement avancer sur cette voie pour que nous puissions, s'ils le souhaitent, continuer à travailler sur cette proposition de loi et surtout continuer à travailler sur le sujet majeur de la lutte contre toutes les violences. Je vous remercie. Je vais donc appeler les amendements puisque le vote dans l'hémicycle est passé. L'amendement numéro 12 avant l'article 1er, Madame Kerbidi. Oui. Alors cet amendement démontre encore une fois à quel point je me suis extraite et du contexte et de tout de toute la répulsion que l'on pouvait avoir pour la manœuvre, j'ai envie de dire. Je me suis simplement posé la question de savoir si, dans un autre contexte, à un autre moment, j'aurais voté cette loi. Et oui, je l'aurais votée. Et donc, je me suis restée fidèle à mes convictions et j'ai déposé cet amendement parce qu'il me semble qu'on ne peut pas traiter de la même façon quelqu'un qui agit pour la première fois de quelqu'un qui est en récidive. Un autre collègue l'a dit également d'une autre façon. Donc, ça vise à être plus sévère vis-à-vis des récidivistes, puisque j'espère que ça reste très, très minoritaire. Mais quand quelqu'un commet des violences en récidive et en plus des violences aggravées, alors il me semble que la peine doit être encore plus sévère que ce qui est prévu quand c'est la première fois. Madame la rapporteure. Oui, je vous remercie, Madame la députée. Je comprends évidemment l'objet. Moi, il y a plusieurs sujets juste dans la manière avec laquelle vous l'avez rédigé. Déjà, il y a un sujet qui est la référence déjà à la récidive. Bon, il y a un sujet légistique, mais bon, ça peut se corriger. Mais il y a un sujet surtout constitutionnel, parce que tel que vous l'avez écrit, ça veut dire que le juge n'aura pas la possibilité de déroger. Or, justement, tout le dispositif de la peine complémentaire... Alors, c'est vrai que c'est un peu bizarre quand c'est formulé comme ça, en disant que c'est une peine complémentaire obligatoire, mais le juge peut y déroger. Mais c'est quand même le principe qui est posé. C'est une peine complémentaire obligatoire, mais le juge a toute faculté, vous le savez, dans le dispositif actuel, de ne pas la prononcer. Par contre, il doit motiver sa décision, ce qui est très important, je pense, vis-à-vis des Français, de dire pourquoi il n'a pas souhaité la prononcer. Or, tel que vous l'avez rédigé, le juge n'aurait plus aucune possibilité d'y déroger. Donc, je pense que vraiment, on a un risque constitutionnel. C'est la raison pour laquelle je vous demanderai un retrait, sinon défavorable. Non pas parce que je ne partage pas l'objectif, mais parce que je pense que tel quel, on a un vrai sujet constitutionnel. Alors, bon, il est retiré. Désolé, Monsieur Balanon, je sais que vous attendiez pour dire que c'était une peine planchée, mais... Madame la rapporteure, un amendement rédactionnel. Donc, je le mets directement aux voix. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Je mets aux voix l'article 1er qui ne fait pas l'objet d'amendement, d'autres amendements. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Amendement après l'article unique. Alors, Monsieur Bill m'a dit qu'il a retiré son amendement numéro 1. Est-ce que son groupe le confirme? Est-ce qu'il retire aussi son amendement numéro 3? Non plus? Ok. Donc, les amendements sont retirés. Il reste un amendement rédactionnel sur le titre, Madame la rapporteure. Ah, vous ne retirez pas le 3, pardon. Alors, allez-y pour le 3. Alors, effectivement,
Donc très rapidement, la proposition de loi constitue, selon les propres mots de Madame la rapporteure, une réponse politique au retour à l'Assemblée nationale d'un député de l'opposition condamné pour violence conjugale. Cependant, le champ de cette proposition de loi ne se limite pas qu'aux violences conjugales, puisque cette proposition vise à sanctionner d'une peine complémentaire obligatoire d'inéligibilité les violences aggravées visées par l'article 222-13 du Code pénal, c'est-à-dire les violences commises notamment sur un mineur de 15 ans, une personne vulnérable, sur le conjoint avec arme, etc., ayant entraîné une ITT inférieure ou égale à 8 jours ou n'ayant pas entraîné d'ITT. C'est la raison pour laquelle nous proposons par cet amendement que le gouvernement remette au Parlement dans un délai de 6 mois, après la promulgation de la présente loi, un rapport comptabilisant l'ensemble des violences physiques commises par les parlementaires au cours des 10 années précédentes, ainsi que les suites judiciaires et politiques qui ont été apportées. Merci Madame la rapporteure, votre avis. Oui, avis défavorable sur votre demande de rapport. Déjà, un peu par principe dans cette commission, j'ai bien compris, sur les différentes demandes de rapport, mais au-delà de la question du principe sur les rapports, parce que le champ de cette proposition de loi, justement, n'est pas uniquement d'appréhender les parlementaires, c'est tous les citoyens qui seraient demain concernés par la possibilité d'avoir une peine complémentaire d'inéligibilité. Et je pense que c'est très important, justement, de ne pas donner le sentiment que seuls les parlementaires seraient appréhendés dans le champ de la proposition de loi. Donc, demande de retrait, sinon défavorable. Bien. Alors, Monsieur Balamante, Madame Obono. Oui, rapidement, je voulais prendre la parole tout à l'heure, mais je voulais le dire là parce que je note avec intérêt l'honnêteté intellectuelle de ma collègue GDR. Et je partage son propos. J'avoue que sur ce texte, j'avais initialement des réserves parce que je trouvais, et vous l'avez bien expliqué, Madame la rapporteure, que ça pouvait être considéré comme un texte de circonstance. Mais je trouve que votre argumentaire a été très bon, je vous le dis. Et au-delà, vous avez dit quelques éléments qui me font évoluer sur cette vision de réserve. Et je voterai pour le texte sans aucune réserve maintenant. Parce que vous l'avez bien dit, la question est-ce qu'on doit se poser, on légifère pour l'actualité, mais on ne légifère pas que pour l'actualité, on légifère pour la vie. Et cet argument, il pèse, parce que l'inéligibilité, elle ne concerne pas que les élus. Elle peut considérer les futurs élus, les futures personnes qui pourraient être en capacité d'aller devant les électeurs. Et là, le juge pourra dire « j'applique la peine » et pendant X années, cette personne ne pourra pas aller au devant des suffrages. Et je trouve que ça, c'est une bonne solution. Donc voilà pourquoi je voulais prendre la parole à ce moment du texte. Merci Madame Obono. Oui, merci Monsieur le Président. Je souhaitais noter le fait que l'ensemble de nos amendements ont été jugés irrecevables. Vous l'avez expliqué sans véritablement le justifier en indiquant que vous en aviez le droit. Mais je trouve que c'est particulièrement significatif en vérité de l'objectif réel de ce texte. Parce que si l'on en croit les réponses passionnées de Madame la rapporteure sur la volonté de lutter contre les violences et de l'exemplarité, il n'y a aucune justification à repousser la demande d'un rapport, en plus, simplement d'un rapport, sur l'évaluation du nombre de fonctionnaires manquants dans l'institution judiciaire, dont on sait que c'est une question clé pour l'accueil des victimes, pour la reconnaissance de leurs préjudices et pour qu'elles obtiennent justice, sur la création d'un pôle judiciaire de lutte contre les violences intrafamiliales au sein des juridictions, le doublement de l'aide juridictionnelle, les plans de formation, rapport sur les mesures pour favoriser la non-récidive des ondes violentes, rapport pour améliorer les dépôts de plaintes, pour faire appliquer les séances d'éducation et de formation. Voilà des sujets qui nécessiteraient une véritable débat, y compris des nécessaires peut-être actes législatifs et surtout des politiques publiques, ce que vous n'avez pas fait en 5 ans, et le bilan sur ces questions est décrié par la majorité des organisations sur ces questions. Et donc non, il ne s'agit pas ici de regarder vers l'avenir. Vous avez fait un choix politique et politicien que vous assumez très bien, pas de problème, et personne ici ne remet en cause votre engagement sur ces questions, mais qui est aussi l'engagement des élus que nous sommes et des militantes féministes que nous sommes. Et nous refusons que cette cause soit instrumentalisée de cette manière. Vous avez vos raisons, nous avons les nôtres, et je pense qu'elles sont légitimes, y compris sur notre conception du mandat, y compris sur notre conception de l'inéligibilité. C'est un vrai débat, mais vous avez raté l'occasion de l'avoir sérieusement et de manière constructive. Merci. Alors,
ces amendements que vous décrivez auraient eu leur place sur un projet de loi de finances, comme d'ailleurs ils sont recevables dans tous les projets de loi de finances, comme ils le sont sur tous les projets de loi qui sont examinés quand on parle des violences conjugales spécifiques, que par ailleurs, pour ce qui concerne mon examen de recevabilité, il n'a jamais été remis en cause par le Conseil constitutionnel. D'ailleurs, c'était la France insoumise qui avait contesté des cavaliers législatifs dans la LOPMI, cavaliers législatifs ajoutés au Sénat. Aucune des dispositions, aucun des amendements que j'ai jugé recevables n'a été frappé de cette sanction par le Conseil constitutionnel. En revanche, j'espère que vous serez aussi intransigeante avec le président Coquerel dans son appréciation de l'article 40, parce que jusqu'à présent, moi, j'ai beaucoup de doutes sur sa pratique à lui, et j'ai un des doutes qui sont partagés, y compris par la présidente de l'Assemblée nationale. Donc ça fait beaucoup. Donc moi, je réitère le fait que je pratique une recevabilité des amendements qui est très cohérente et qui, par ailleurs, est jusque-là approuvée. Merci. Je mets aux voix l'amendement de M. Bill, le numéro 3, qui vote pour, qui vote contre. Il est en rédactionnel sur le titre. Qui vote pour, qui vote contre. Il est adopté. Donc, je vais soumettre à vos voix l'intégralité de la proposition de loi. Qui vote pour, qui vote contre. Elle est également adoptée. Je vous remercie. On suspend quelques minutes et j'appelle M. Studer, qui est le futur. Allez, on va reprendre, si vous voulez. On examine cette fois la proposition de loi, s'il vous plaît, la proposition de loi visant à garantir le respect du droit à l'image des enfants, dont le rapporteur est M. Bruno Studer. C'est également à la semaine du 6 mars à l'agenda de notre Assemblée. Et donc, M. Studer, vous êtes le rapporteur, vous avez la parole. Bienvenue à la Commission des lois, par ailleurs. Merci, M. le Président. Merci pour votre accueil, mes chers collègues. J'ai l'honneur effectivement de soumettre à discussion et au vote cette proposition de loi qui est une nouvelle étape finalement dans un travail entamé depuis 2018 qui avait débouché dans un premier temps sur la loi sur les enfants influenceurs, cher monsieur Legendre, votée en 2020, la loi sur le contrôle parental en 2022 et me voici devant vous pour ce nouveau texte qui parle d'un sujet qui, finalement, lorsque nous-mêmes, nous étions jeunes, et cela remonte plus ou moins loin selon qui nous sommes, ça n'était pas un sujet. Le droit à l'image des enfants n'était pas un sujet comme ça l'est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est 300 millions de photographies qui sont diffusées chaque jour sur les réseaux sociaux, alors qu'en 2015, Facebook abritait déjà... Quand je dis par Facebook, effectivement, c'est un peu has-been, mais déjà 250 milliards de photographies. J'ai souvent cité ce chiffre, je vous le redonne, chers collègues, à réflexion. Aujourd'hui, avant l'âge de 13 ans, âge auquel un enfant peut, avec l'accord de ses parents, s'inscrire sur un réseau social, à l'âge de 13 ans, un enfant apparaît sur 1300 photographies en ligne, en moyenne. Et nous sommes donc, effectivement, dans une société de l'image, nous pourrions parler de société du spectacle, et l'enfant y occupe une place singulière. Car il n'exerce pas lui-même son droit à l'image. Ce sont ses parents qui expriment son consentement. Cette situation juridique n'est pas sans susciter des frictions à l'heure des réseaux sociaux qui sont tant utilisés par les enfants et par leurs parents.
Nous sommes à l'intersection entre la liberté d'expression des parents et l'intérêt supérieur de l'enfant. Le droit à l'image des enfants apparaît ainsi comme le terrain potentiel d'un conflit d'intérêts, aggravé par la monétisation des contenus publiés sur les réseaux sociaux, mais aussi simplement par des motivations que l'on pourrait qualifier, chers collègues, de narcissiques, la recherche de la popularité à travers la recherche de la viralité. Et quand bien même leurs intentions sont bonnes pour l'enfant, comme c'est le cas dans, j'en doute pas, dans la grande majorité des cas des parents, la question qui se pose, c'est aussi effectivement celle du degré d'information, du degré de formation des parents pour faire des choix éclairés dans l'intérieur supérieur de l'enfant. La diffusion de photographies de famille sur les réseaux sociaux, qui remplace nos albums photos d'antan, est aujourd'hui communément appelée, pardonnez-moi l'expression, « sharenting », contraction des termes anglais « partagé » et « parentalité ». Très vite, des chercheurs ont pointé du doigt la fausse impression d'intimité que suscitaient les réseaux sociaux et l'impossibilité de contrôler véritablement l'audience. Parmi les risques de détournement, de mésusage les plus graves qui ont été identifiés, on peut évoquer, chers collègues, l'usurpation d'identité en ligne. La banque Barclays a ainsi fourni une étude qui montre que d'ici à 2030, 70% des usurpations d'identité à visée bancaire concerneront des enfants tant les données personnelles sont présentes sur les réseaux sociaux. Ça va du surnom à la date de naissance, en passant par le doudou préféré, tout un tas de choses qui peuvent être ensuite utilisées concrètement pour contourner les systèmes de sécurité. Donc, je parlais de l'usurpation d'identité en ligne, le cyberharcèlement, cher Erwan Balanon, nous connaissons bien ce phénomène, la géolocalisation, la prostitution de mineurs ou encore la pédopornographie. Là aussi, permettez-moi de remettre à votre réflexion le chiffre suivant. 50% des photographies qui s'échangent aujourd'hui sur les réseaux pédopornographiques avaient été initialement publiées par les parents sur leurs réseaux sociaux. Les photographies de nudité, de semi-nudité ou de tenue sportive sont les plus directement concernées, mais bien d'autres photographies d'enfants peuvent être manipulées et décontextualisées. C'est le cas de photographies gênantes initialement publiées par des parents dans le but de se moquer de leur enfant. Ce sont les fameux pranks. Ceux qui ne le connaissent pas, je vous invite par exemple à regarder ce qu'est le prank Nutella Caca, popularisé par l'influenceuse Lame Thivenin, qui a 6 millions de followers sur Instagram, où on fait croire à son enfant que la matière que l'on a sur les mains, c'est du caca avant de lui révéler que c'est du Nutella, le tout étant liké par plus d'un million de personnes sur certains réseaux sociaux. Les conséquences du partage irréfléchi de photographies sur Internet sont durables. Les photographies partagées par les parents peuvent porter atteinte à la réputation en ligne de l'enfant devenu majeur. Le plus inquiétant est peut-être au fond que nous ne mesurions pas encore pleinement les conséquences de ces phénomènes dans l'avenir. Les images qui ne posent pas de soucis aujourd'hui pourraient paraître inacceptables demain, sans parler de la volonté croissante de recourir à la reconnaissance faciale. Enfin, dans certains cas, l'usage que font les parents des réseaux sociaux aboutit à une forme d'exploitation qui peut être assimilée à des violences éducatives ordinaires. Et le législateur a déjà réagi en la matière par l'adoption d'une proposition de loi sur les enfants influenceurs que j'ai eu l'honneur de porter devant le Parlement. Mais il faut, j'en suis persuadé, mes chers collègues, poursuivre nos efforts. Même si, en même temps, il ne faut pas céder à une forme de panique morale. Mais tout de même, cette situation appelle avant tout une prise de conscience collective de la part des parents qui n'ont, pour la très grande majorité d'entre eux, pas l'intention de nuire à leurs enfants. Seulement, trop d'entre eux sont encore insuffisamment informés et formés. La médiation et la sensibilisation, c'est tout particulièrement le travail des associations de parentalité numérique. J'en profite pour les remercier pour leur contribution à nos travaux. Ceci est le rôle du portail gouvernemental « Je protège mon enfant.gouv.fr ». D'ailleurs, sur ce portail, je pense qu'à terme, un espace dédié au droit à l'image y trouverait pleinement sa place. Au-delà de la sensibilisation, le législateur doit pleinement jouer son rôle pour tracer des lignes rouges, chers collègues. Et c'est avec cette volonté très ferme que je viens devant vous aussi. Nous y reviendrons sur l'article 4. Tracer des lignes rouges et élaborer des mesures juridiques contraignantes dans les cas où les parents choisiraient sciemment d'ignorer les droits de l'enfant. La loi s'adresse également aux mineurs qui, trop souvent, n'ont pas conscience de leurs droits, voire même pensent que leurs parents disposent d'un droit absolu sur leur image. La précédente proposition de loi sur les enfants influenceurs a montré la capacité du droit à appréhender de nouvelles situations complexes. Pour ceux qui n'auraient pas cette proposition en tête aujourd'hui, il y a deux dispositions principales. La première permet d'encadrer l'activité des enfants influenceurs lorsqu'ils sont dans le cadre d'une relation de travail. Nous avions alors simplement pris le cadre juridique des enfants du spectacle pour l'adapter aux enfants influenceurs. Ça repose sur la capacité à identifier une relation de travail. C'est l'article 1 de la proposition de loi. L'article 3 prévoyait cette zone grise si propre à Internet,
le cas où l'enfant, objet principal de la vidéo, fait l'objet d'une, son image fait l'objet d'une exploitation commerciale sans pour autant rentrer dans le cadre d'une relation de travail. Je prends un exemple. Vous avez un enfant qui joue bien au football. Vous le filmez dans son match, son entraînement. Vous faites un montage vidéo qui plaît, qui rassemble des millions de personnes. Vous avez une marque de sportswear qui vous appelle, qui vous dit la prochaine fois, ça serait bien qu'il porte des chaussures de ma marque dans la vidéo. Eh bien, ce n'est pas une relation de travail à proprement parler, parce que simplement, l'enfant ne vous obéit pas à vous qui avez fait la vidéo, mais il obéit à son entraîneur. Donc c'est pour ça qu'on avait légiféré avec l'article 3 des enfants influenceurs. Et pour autant, il y avait un certain nombre de situations qui, au vu des travaux que j'ai menés depuis 5 ans, échappaient à cette loi sur les enfants influenceurs. C'est notamment le cas, j'ai cité des pranks, mais aussi le cas de ces situations qui sont les vlogs familiaux, vlogs pour blog vidéo, où certaines familles filment leur vie familiale 24 heures sur 24. Cette nouvelle proposition de loi qui complète le Code civil, mes chers collègues, avec elle, je souhaite moderniser l'exercice de l'autorité parentale, tout simplement, la mettre à jour des nouveaux défis auxquels sont confrontés les parents, et elle vise donc à garantir le droit à l'image des enfants en lui donnant toute sa place dans l'exercice de l'autorité parentale. C'est une question juridique complexe, puisque par nature, ce sont les parents qui exercent le droit à l'image pour les enfants en exprimant le consentement du mineur. Ainsi, si le droit en l'état protège bien le mineur contre les atteintes à sa vie privée venant de l'extérieur de sa famille, il n'encadre pas précisément l'intervention des parents dans la vie privée de l'enfant. Permettez-moi de revenir rapidement sur les 4 articles de la proposition de loi qui énoncent des principes, c'est vrai, mais fixent également des règles, des limites et des outils juridiques contraignants pour élargir les moyens dont disposent les parents et les pouvoirs publics pour protéger les mineurs. L'article 1 vise à introduire la notion de vie privée dans la définition de l'autorité parentale prévue à l'article 371-1 du Code civil afin de souligner l'importance que les parents doivent accorder à cet enjeu, au même titre qu'ils doivent veiller à la sécurité, à la santé ou à la moralité de leur enfant. Je crois que ça fait partie éminemment des grandes missions du parent du XXIe siècle de protéger la vie privée de leur enfant. L'article 2, quant à lui, rétablit un article 372-1 dans le Code civil pour rappeler que le droit à l'image de l'enfant mineur est exercé en commun par les deux parents dans le respect de sa vie privée. Il rappelle également que l'enfant doit être associé aux décisions concernant son image selon son âge et son degré de maturité. Cet article vient donc nuancer le libre arbitre des parents dans l'expression du consentement du mineur en les encourageant à prendre en compte l'avis de l'enfant concerné et en anticipant les conséquences éventuelles, notamment dans le futur, de l'utilisation qu'ils font de l'image de leur enfant. C'était une des grandes recommandations de la défenseur des droits qui, à travers le travail de M. Delmar, défenseur des enfants, avait insisté sur la question de l'association de l'enfant, y compris en posant sur la table la question de son consentement. L'article 3 complète l'article 373-2-6 du Code civil pour prévoir une mesure spécifique d'interdiction de publication à l'encontre du parent qui diffuse des photos de son enfant contre l'avis de l'autre parent. Cette mesure pourrait être prononcée par le juge aux affaires familiales dans l'intérêt de l'enfant. Et ce nouvel outil viendrait compléter des dispositions spécifiques déjà existantes pour permettre au juge de répondre à certaines situations. Par exemple, l'interdiction de sortie du territoire avec un seul parent sans l'accord de l'autre parent. C'est simplement dire que le droit à l'image de l'enfant n'est pas un droit usuel. Enfin, chers collègues, et permettez-moi de... J'ai pris connaissance notamment des interrogations de certains groupes à travers des amendements de suppression qui ont été posés sur l'article 4. Permettez-moi de tenter d'éclairer quel a été l'esprit du législateur que je suis. L'article 4 complète l'article 377 du Code civil qui fixe les conditions dans lesquelles l'autorité parentale peut faire l'objet d'une délégation totale ou partielle. Actuellement, la délégation forcée a lieu en cas de désintérêt pour l'enfant, de crime d'un parent sur l'autre parent ou d'incapacité à exercer l'autorité parentale. L'article 4 ajoute qu'elle peut avoir lieu lorsque, je cite, « la diffusion de l'image de l'enfant porte gravement atteinte à sa dignité ou à son intégrité morale ». Le juge pourrait alors, mes chers collègues, confier l'exercice du droit à l'image de l'enfant à un tiers. Et j'insiste sur cette importance de confier l'exercice de ce droit à l'image à un tiers. C'est enfin mettre une tierce personne sur cette question très importante. C'est quelque chose qui est régulièrement mis sur la table par un certain nombre de psychiatres ou de pédopsychiatres, que l'importance de mettre un tiers sur l'exercice de ce droit à l'image. Et c'est quelque chose que le juge ne pouvait pas faire jusqu'à présent, si le critère du désintérêt pour l'enfant n'était pas rempli. Or, ce critère du désintérêt pour l'enfant, manifestement, lorsque vous regardez les vidéos, l'enfant ne souffre pas d'un désintérêt. Il bénéficie du confort matériel, qui est d'ailleurs visible à travers les vidéos. Et donc, il y a vraiment une nouveauté à laquelle je tiens beaucoup, même si, effectivement, j'ai pu entendre et lire les craintes de certains groupes. Et on verra dans la discussion comment nous pouvons peut-être chercher ensemble à trouver une rédaction qui serait peut-être plus rassurante, même si, je l'assume, dans les cas les plus extrêmes,
Et une fois qu'on a balayé les articles 1, 2 et 3 qui portent sur cette volonté de sensibilisation et d'information, même si dans les cas les plus extrêmes, je pense qu'il faut que le juge aux affaires familiales puisse faire avoir recours à cette délégation forcée partielle de l'autorité parentale, parce qu'il y a des cas qui, je crois, l'imposent. Dans des cas extrêmes, il pourrait même procéder à une délégation totale. Je crois que nous reviendrons en détail sur ce point à l'occasion de la discussion des amendements pour trouver la bonne rédaction. Je sais que nous sommes, chers collègues, au fond, assez nombreux à partager le diagnostic qui fonde cette proposition de loi. En élaborant son dispositif, encore une fois, c'est un travail que je mène depuis 2018, j'ai cherché un point d'équilibre entre la liberté d'expression des parents et l'intérêt supérieur de l'enfant, entre l'importance de la sensibilisation et la nécessité de tracer des lignes rouges, entre la pédagogie, diront certains, et la répression. Et j'espère très sincèrement, mes chers collègues, que notre discussion permettra d'enrichir ce texte. Et permettez-moi, au moment où je couture mon propos, Monsieur le Président, de remercier d'ores et déjà François Joly, qui m'a accompagné sur ce texte. Permettez-moi, pour conclure vraiment, de vous faire une citation extraite du roman de Delphine Joly, « Les enfants sont rois », qui est paru quelques mois après le vote de la loi sur les enfants influenceurs. C'est un roman qui repose sur le passé, le présent, puis qui anticipe les problèmes qui pourraient venir. Je cite. « Les fans étaient en manque. Vous croyez que je pouvais dire à ma mère, sors de ma chambre avec ton putain de téléphone et tes putains de chéris, dont certains se branlent sur ces belles images que tu partages avec le monde entier ? Non, c'est clair, un enfant ne parle pas comme ça, ne pense pas comme ça. Mais aujourd'hui, j'ai 18 ans et je parle comme ça. La moitié des gens que je rencontre croient savoir mieux que moi qui je suis. Et si par chance, ils m'ont raté, il leur suffit de 4 clics pour me trouver en culotte ou en tutu, en train de manger des chips, sans les mains, à même la table comme un animal. » J'avais fait mienne cette phrase pendant le débat sur la loi sur les influenceurs. À la tentation de la viralité privilégiant toujours l'impératif de l'intimité, cette proposition de loi se veut une brique supplémentaire dans ce grand combat que je mène et que je souhaite partager avec vous aujourd'hui, chers collègues. Merci. J'ai appelé les orateurs des groupes. Madame Sarah Tanzili pour le groupe Renaissance. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le rapporteur, chers collègues, la généralisation de l'usage du numérique dans nos vies a fait émerger de nouvelles opportunités et des bénéfices réels, mais nous conduit aussi à faire face à de nouvelles menaces, de nouveaux dangers auxquels nos concitoyens, en particulier les plus fragiles, sont exposés et qui impliquent d'adapter notre arsenal juridique à cette réalité. La question du rapport des enfants au numérique et l'exercice effectif de leurs droits dans cet environnement n'échappe pas à cette règle. Si nous ne pouvons que nous réjouir que le numérique permette notamment de garder un lien social et familial malgré la distance géographique, la question de la protection du droit à la vie privée et à l'image des mineurs dans l'espace numérique doit interroger les législateurs que nous sommes, d'abord du fait de la surexposition de l'image de l'enfant. Comme l'a indiqué le rapporteur, les mineurs apparaissent en moyenne sur 1300 images publiées en ligne avant leurs 13 ans. Ensuite, au regard des usages malveillants qui peuvent être faits par des tiers de cette image, effectivement, la moitié des photographies qui s'échangent sur les forums pédopornographiques auraient initialement été publiées par les parents sur les réseaux sociaux. Enfin, parce que des situations dans lesquelles les intérêts des titulaires de l'autorité parentale semblent contraires aux intérêts fondamentaux de l'enfant émergent. Vlogs familiaux dans lesquels les enfants sont filmés 24 heures sur 24, dans les moments les plus intimes de leur quotidien. Pièges humiliants au détriment des enfants publiés en ligne par leurs parents. Déjà mobilisés lors de la précédente législature, en particulier concernant l'encadrement de l'exploitation des enfants influenceurs ou le contrôle parental, le groupe Renaissance, à l'initiative de Bruno Studer, a continué dans cette démarche via le dépôt de 7 propositions de loi qui visent à protéger et garantir le respect du droit à l'image des enfants. Cette dernière a d'abord une visée de sensibilisation manifeste des parents aux nouveaux enjeux de la parentalité, parents auxquels il convient de rappeler qu'ils ont des droits, mais également des devoirs vis-à-vis de leurs enfants, et notamment celui de protéger conjointement son droit à l'image en associant le mineur progressivement au regard de son âge et de son degré de maturité. Elle permettra aussi d'encadrer la parentalité numérique en cas de désaccord entre les titulaires de l'autorité parentale. Dans ce cas, le juge aux affaires familiales pourra interdire à l'un des titulaires de l'autorité parentale de publier tout contenu sans l'accord de l'autre, conformément au principe selon lequel le droit à l'image est un droit non usuel exercé conjointement par les titulaires de l'autorité parentale. Enfin, en cas de conflit entre l'intérêt des parents et celui de l'enfant, comme c'est le cas lors de la diffusion d'images très intimes ou qui portent atteinte à la dignité ou l'intégrité morale de l'enfant,
La présente proposition ouvre la voie à la délégation forcée, partielle ou totale à un tiers de l'autorité parentale prononcée par le juge aux affaires familiales. Encore une fois, si cette loi inclut une volonté de responsabilisation et non de punition, c'est car ce principe de vie privée des enfants est souvent pris en étau entre des intérêts contraires et car il s'agit d'abord de sensibiliser et de responsabiliser des parents qui ne sont pas tous conscients des menaces que peuvent présenter l'espace numérique pour leurs enfants. Nous ne voulons pas priver les parents de publier des photos de leurs enfants dans un cadre restreint, mais permettre une prise de conscience des dangers du cyberespace et une gradation dans les mesures susceptibles d'être prises par le juge en cas d'abus. Sensibilisation, responsabilisation, outils civils gradués de protection des droits fondamentaux de l'enfant, tels sont les objectifs poursuivis par cette proposition de loi que le groupe Renaissance votera donc avec responsabilité et détermination à renforcer la protection des mineurs en ligne et dans le cyberespace. Madame Pascale Borde pour le groupe Rassemblement National. Merci, monsieur le rapporteur. Le développement des usages du numérique par les enfants ou à leur encontre doit nous inviter effectivement à une vigilance particulière car il repousse sans cesse les frontières de la vie privée des enfants. Dès lors que les parents diffusent des photos, des vidéos, bref, des informations sur leurs enfants, ils le font bien souvent sans leur consentement. Un mariage, une fête familiale, un événement sportif ou culturel, la fête de l'école tout simplement, bref, tout peut devenir un prétexte pour partager la vie de ses enfants. Dans le cyberespace, ces photographies, ces vidéos, ces renseignements personnels peuvent être visualisés et repartagés à l'insu des enfants. Ce phénomène du sharenting, amalgame des mots share pour partager et parenting pour parentalité, n'est pas sans conséquence sur les droits de l'enfant, dont le droit à la vie privée, qui doit avant tout être protégé par les parents. Cette volonté des parents de partager sur les réseaux sociaux des moments de la vie de leurs enfants et l'obligation pour ces mêmes parents de protéger la vie privée de leurs enfants peut générer à terme des contentieux entre parents et jeunes majeurs dont les photos d'enfance et les détails privés de leur vie ont été publiés des années plus tôt par leurs parents sur les réseaux sociaux sans que ces enfants aient pu y consentir. En tant que co-titulaires de l'autorité parentale, les parents ont certes le droit de publier des photos ou des vidéos de leur enfant sur les réseaux sociaux, mais ils devraient éviter de compromettre l'image, l'intérêt, la sécurité et la vie privée de leurs enfants. Ils devraient avant tout rechercher l'intérêt supérieur de l'enfant. En outre, dès que la capacité de discernement de l'enfant le permet, les parents devraient prioriser l'écoute et l'obtention de l'avis de leur enfant quant aux limites à ne pas franchir, favorisant ainsi le sentiment d'autonomie de l'enfant, le respect de son consentement et surtout le développement d'une estime de soi positive. En ce sens, le rétablissement d'un article 372-1 du Code civil qui stipule que les parents associent l'enfant à l'exercice de son droit à l'image selon sa capacité de discernement est une bonne chose, même si ce texte consacré spécifiquement au droit à l'image des enfants fait en quelque sorte double emploi avec la nouvelle version proposée de l'article 371-1 du même code, dont il est un copier-coller, consacré lui à l'autorité parentale et qui stipule que l'autorité parentale dévolue conjointement aux parents permet le développement de l'enfant dans le respect dû à sa personne et notamment à sa vie privée. Néanmoins, face à la banalisation du phénomène du sharenting, face aux dérives de certains parents qui semblent pris d'une frénésie absolue de publication, ou bien face à ceux qui se livrent à des mises en scène allant jusqu'à l'humiliation de leurs propres enfants, face à ce qui constitue au final une atteinte inédite à la vie privée des enfants qui se trouvent de fait privés de leur capacité à définir leur propre image et leur propre identité, il est malheureusement nécessaire de faire acte de redondance. Je fais au demeurant la même observation concernant l'article 3 de la proposition de loi qui vise à ajouter à l'article 373-2-6 du Code civil relative aux mesures pouvant être prises par le JAF en cas de conflit entre les parents en matière d'exercice de l'autorité parentale, dont le droit à l'image n'est qu'une composante. C'est donc au JAF, à qui l'on demande déjà de trancher les différents parentaux sur le choix d'un établissement scolaire, sur le choix d'une activité extrascolaire, sur le choix d'une pratique religieuse ou pas, sur la possibilité de subir une intervention chirurgicale de type extraction des dents de sagesse ou pas, sur l'interdiction de sortie du territoire d'un enfant sans l'autorisation des deux parents, c'est ce même JAF qui va devoir maintenant s'attaquer à la délicate question de la publication ou pas de photos ou de vidéos d'enfants. Il est à craindre, malheureusement, une hausse des contentieux
opposant des parents qui ne s'entendent pas sur le droit à l'image de leurs enfants, l'un dans la toute-puissance publiant à tout va, l'autre ne le voulant pas. Le texte qui sera adopté in fine ne réglera pas tous les problèmes, loin s'en faut. Il ne rendra pas à certains parents l'intelligence du cœur qui leur manque tant, mais il aura au moins le mérite de rappeler à tous que l'enfant n'est pas un objet, qu'il est une personne et qu'à ce titre, s'il a des obligations, il a également des droits, dont merci, le respect Madame au droit de son image, droit si fondamental pour sa propre construction. Merci. Monsieur Andy Kerbra, pour le groupe La France Insoumise. Merci, monsieur le Président. Chers collègues, je veux dans un premier temps saluer le travail engagé antérieurement et dans cette proposition de loi et vous dire que dans l'ensemble, nous la soutiendrons. Notre travail de législateur, notre devoir auprès de la société est de protéger les plus faibles des abus systématiques et des actions malveillantes, quel qu'en soit l'auteur. Or, les réseaux sociaux et l'emprise des plateformes ont profondément transformé nos rapports collectifs à la vie privée, laissant nos enfants sans protection face aux abus, voyant leur image, leur vie, leur existence être affichée et parfois détournée, sans qu'ils n'aient eu le temps ou la liberté de choisir qui ils voulaient être. Ce problème est de plus en plus préoccupant, d'abord du fait d'une société de plus en plus numérisée, de WhatsApp à LinkedIn, de TikTok à Tinder, nos vies professionnelles, intimes, familiales, passent de plus en plus par des plateformes qui n'ont de virtuel que le nom, tant leur influence sur nos vies est réelle. On parle même maintenant d'une économie de l'influence qui a vu le jour cette dernière décennie avec l'avènement des réseaux sociaux. Elle permet de brasser énormément d'argent, en premier lieu avec ce qui est tendre et touchant, galère du quotidien, petits chatons et enfants peuvent devenir des sources de revenus parce qu'ils nous offrent l'espace d'un instant à sourire. Vous avez indiqué avec justesse qu'en moyenne, un enfant apparaît sur 1300 photographies publiées en ligne avant l'âge de 13 ans, sur les comptes de ses proches ou les siens propres, malgré la limite d'âge à l'inscription sur les réseaux sociaux que tout le monde contourne. Cette exposition de la vie réelle déteint malheureusement sur le quotidien de certains enfants dont l'exposition excessive au jugement et à l'appréciation de tiers sur Internet joue sur l'acceptation de soi et de son image. Dans cette proposition de loi, vous mettez en avant le statut particulier des influenceurs qui peut conduire à des pratiques, en particulier le charanting dont nous avons tous parlé, qui font naître un conflit d'intérêts entre le rôle de garant de l'intégrité et de la vie privée de l'enfant à charge et le gain financier, social ou émotionnel à tirer de l'exploitation de l'image de l'enfant. L'enfant peut dès lors ressentir un conflit de loyauté, voire une dissonance cognitive entre ses aspirations propres et la volonté de ses parents. Si ce texte est une avancée, la loi reste terriblement en retard. Depuis plus de 20 ans, des mineurs sont victimes d'usage de leur image en ligne à des fins malveillantes. Si les plateformes changent, la loi reste. Nous devons donner aux générations actuelles et futures des outils pour se protéger. Les rapports que nous vous demandions et les élargissements de ce texte au domaine du harcèlement allaient dans ce sens et nous regrettons qu'ils aient été rejetés, même si le président en a le droit, comme il l'a précisé tout à l'heure. Mais plus important, nous faisions une demande d'un rapport sur la plateforme Pharos, qui est un de nos meilleurs outils pour pouvoir prévenir et analyser les situations des mineurs. Et nous regrettons et nous redéposerons cet amendement en séance. Si j'espère que nous pourrons avancer de manière transpartisane sur ce sujet, je ne veux pas pour autant que cet arbre cache une forêt. Votre minorité gouvernementale a de la marge pour que la protection de l'enfance soit vraiment la grande cause de ce dernier quinquennat, car la situation sociale et scolaire est de plus en plus préoccupante. Près de 3 millions d'enfants vivent encore sous le seuil de pauvreté en France en 2022. La création de la Cevise a récemment mis au cœur du débat l'ampleur des violences sexuelles sur mineurs et des violences intrafamiliales. Et n'oublions pas que ce texte ne fait que la moitié du chemin, car la réalité et la grande problématique restera celle aussi de la réglementation des plateformes. Actuellement, les règles des plateformes par le règlement communautaire peuvent, et la plupart du temps, supplantent notre droit local, notre droit français. Et il est de notre devoir, dans des prochains textes de loi, comme peut le faire l'Allemagne, de proposer des lois beaucoup plus contraignantes pour que les plateformes soient obligées de protéger ce droit à l'enfant. Notre engagement sur ce texte n'est pas un chèque en blanc. Vous devez tous faire mieux. Nous pouvons réellement agir sur la toile, mais pas virtuellement dans nos écoles, et nos familles. Merci, M. Raphaël Schellenberger, pour le groupe Les Républicains. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Monsieur le Rapporteur. D'abord, j'aimerais saluer l'important travail de sensibilisation que constitue, ne serait-ce que la discussion de ce texte. Le simple fait de parler de ce sujet permet parfois de prendre conscience, pour certains parents, de la réalité de ce qu'ils font, dont on n'a pas toujours conscience. Ça peut partir d'un bon sentiment que de partager
l'image de ses enfants avec ses proches sur des réseaux sociaux sans qu'il ait forcément conscience des conséquences que ça emporte. Et je crois que la communication qui a accompagné la discussion de ce texte ces derniers jours ne peut être que bénéfique, ne serait-ce que ce chiffre qui est effrayant de 1300 photographies publiées d'un enfant avant l'âge de ses 13 ans. Ce chiffre doit toutes et tous nous faire réfléchir. Une fois cet acte de communication et de sensibilisation fait, nous voilà dans le tuyau du travail de législateur sur lequel nous devons évidemment être attentifs à la fois à la réalité de la situation de notre société, attentifs aussi à ce qu'est le droit et peut-être aux défauts que nous avons collectivement eus ces dernières décennies de vouloir légiférer à tout bout de champ, de vouloir légiférer pour des phénomènes de société qui parfois, en lisant le droit tel qu'il existe, étaient déjà traités, anticipés, même si les solutions techniques, la situation technique qu'on connaît aujourd'hui n'était même pas envisagée à l'époque où les textes de loi ont été rédigés. Cet article 371.1 du Code civil, qui est lu par tous les officiers d'état civil à l'occasion des mariages. Même si la question du mariage dans l'exercice de l'autorité parentale doit peut-être être mise à jour, je veux dire, ça n'est plus nécessaire de passer par le mariage pour exercer l'autorité parentale, et peut-être qu'il manque là le rappel de ce que c'est que l'autorité parentale aux parents, du fait de l'absence de la publicité de cet article, mais dit déjà beaucoup de choses. L'autorité parentale, c'est cet ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité. Sa moralité est déjà présente pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne. Elle s'exerce sans violence physique ou psychologique. Et je crois qu'il est précisé un peu plus loin en associant l'enfant au fur et à mesure de ses capacités. Eh bien, quand on a dit ça, finalement, on a déjà résumé une grande partie de ce qui est dans ce texte de loi. Et je crois qu'il faut qu'on sache rester très prudent quand on touche au Code civil. Donc je partage complètement les préoccupations qui sont les vôtres, monsieur le rapporteur. Je partage complètement la nécessité d'une mobilisation collective de notre société face à ce phénomène qui est très dangereux et potentiellement encore plus dangereux pour les générations qui viennent. Mais je suis toujours très prudent quand on touche au Code civil, et je crois qu'il faut faire attention à ne pas avoir des rédactions qui parfois sont superfétatoires et qui pourraient conduire peut-être à produire des effets impensés. Moi, je me questionne, qu'est-ce que c'est que la vie privée d'un enfant avant ses 13 ans, eu égard à l'autorité parentale ? J'ai du mal à définir ou à imaginer ce que c'est que la définition de cela. Et je crois que nous aurons de beaux débats, des débats qui grandiront le travail de législateur à l'occasion de l'étude de ce texte. Merci Madame Mathilde Jonquière pour le groupe démocrate. Merci Monsieur le Président. Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, à l'ère du numérique et de l'ultra-digitalisation, les enfants sont plus que jamais mis en danger par la surexposition sur Internet et les réseaux sociaux, effectivement. Un phénomène très préoccupant tend à se généraliser ces dernières années, phénomène dénommé le parenting, dont le terme est apparu en 2013 dans le Wall Street Journal. Cela désigne effectivement les parents qui ont l'habitude de partager régulièrement des photos et d'autres informations sur leurs enfants en ligne. Vous l'avez rappelé, monsieur le rapporteur, à l'âge de 13 ans, un enfant a déjà en moyenne 1300 images de lui qui circulent sur Internet. Or, 50% de ces photos qui s'échangent sur les forums pédopornographiques sont initialement publiées par les parents justement sur les réseaux sociaux. Et comme vous l'avez rappelé également, le respect de la vie privée des enfants s'impose aujourd'hui comme une condition de leur sécurité, de leur bien-être et de leur épanouissement. Il est de notre devoir effectivement de nous en assurer. Face à la multiplication des outils Internet et à leur complexité d'utilisation, il est plus que nécessaire de renforcer notre arsenal législatif. C'est pourquoi je tiens à saluer cette initiative qui s'ancre parfaitement dans un écosystème législatif en faveur de la protection des enfants. Il y a d'abord eu la loi du 20 janvier 2018 qui a abaissé l'âge auquel le mineur peut consentir seul au traitement des données à 15 ans contre 16 ans en droit de l'Union européenne. En février 2020, le gouvernement a créé la plateforme « Je protège mon enfant » qui recense les solutions de régulation à la disposition des parents. La loi du 19 octobre 2020 vise quant à elle à encadrer l'exploitation commerciale de l'image d'enfants de moins de 16 ans sur les plateformes en ligne.
Je tiens également aussi à citer la loi du 30 juillet 2020 qui fixe une interdiction d'accès des mineurs aux sites pornographiques et celle de février 2022 sur le contrôle numérique qui apporte des obligations renforcées vis-à-vis des équipements et des services permettant un accès à Internet afin de faciliter le recours des parents aux dispositifs de contrôle parental. Jusqu'à présent, le législateur s'est assuré de protéger au mieux les mineurs des différents dangers de l'utilisation d'Internet et des réseaux sociaux. Mais les pratiques évoluent et il nous incombe aujourd'hui de continuer à avancer sur la préservation de nos enfants quant à l'utilisation de leur image sur Internet via leurs parents. La défenseure des droits, Claire Hédon, a publié en novembre 2022 son rapport annuel sur les droits des enfants. Et parmi les points abordés se trouve justement l'exposition des mineurs sur les réseaux sociaux, notamment par leurs parents, qu'il s'agisse d'images, de vidéos ou même de textes. Néanmoins, il est nécessaire que nous puissions mettre en place un dispositif qui soit équilibré. En effet, si des mécanismes existants peuvent apparaître en l'état insuffisant, la mise en place de sanctions mesurées reste un impératif. Les sanctions doivent être proportionnées à la gravité de l'acte. Ainsi, si la diffusion d'images sexualisées, voire violentes, peut justifier la mise en œuvre de mesures d'assistance éducative, voire de sanctions, la mise en ligne de photos d'un enfant dans son quotidien ne pourrait être réduite à une défaillance et à une sanction répressive, même si elle est récurrente. C'est pourquoi, monsieur le rapporteur, il est nécessaire que nous puissions nous accorder sur un texte opérant afin que nous, législateurs, continuions à garantir à l'ensemble des mineurs une protection suffisante sur Internet. Ainsi, notre groupe accompagnera toute démarche tendant à la préservation des intérêts de l'enfant. Je vous remercie. Merci, madame Marietta Caramanli, pour le groupe socialiste. Merci, monsieur le président, monsieur le rapporteur, chers collègues. La proposition de loi dont nous discutons ce jour est intéressante par son objet, car son objet, qui garantir le respect du droit à l'image des enfants, épouse des préoccupations bien réelles, identifiées non seulement par les spécialistes, mais aussi éprouvées par les familles, parents et jeunes y compris. Et cependant, ce texte est aussi décevant. Elle est décevante car elle ne vise qu'à préciser certains points de droit déjà acquis. Elle ne s'inscrit pas dans une véritable politique publique à l'attention des familles et des jeunes visant à informer, prévenir, utiliser les réseaux sociaux de façon rationnelle et raisonnable. Je pense entre autres à l'éducation au droit au corps, dont le texte ne parle pas de façon explicite. Je considère aussi que le droit à l'image est quelque sorte le prolongement non physique du corps et la protection du corps des enfants pourrait être posée comme telle. Revenons aux dispositions. L'article 1er introduit la notion de vie privée dans la définition de l'autorité parentale. Sans être opposé à cette disposition, il apparaît que le respect dû à la personne inclut par définition le respect de ses droits fondamentaux. L'article 2 précise que l'exercice du droit à l'image de l'enfant mineur est exercé en commun par les deux parents. Je note que l'article 372 du Code civil prévoit que les pères et mères exercent en commun l'autorité parentale. L'article 3 précise les mesures que peut prendre le juge en cas de désaccord entre les parents dans l'exercice du droit à l'image de l'enfant mineur, mais je note en même temps que ce point a déjà été tranché par le juge au cas des parents séparés, considérant que l'un des parents ne peut diffuser des photographies sur un réseau social ou professionnel sans l'accord de l'autre parent. Enfin, l'article 4 qui prévoit que la délégation de l'autorité parentale est étendue aux cas dans lesquels la diffusion d'images par les parents a porté une atteinte grave à la dignité de l'enfant, on peut raisonnablement penser aussi que l'article 377 du Code civil pourvoit déjà à la situation. Il est donc à noter que nous ne disposons pas de données sur la volumétrie des saisines du juge et des contentieux au cours sur ce droit déjà garanti. Il y a parallèlement plusieurs points implicites qui auraient mérité l'intention. Tous les mineurs y sont considérés de la même façon par la loi. En l'état, il existe pourtant une différenciation dans notre droit selon l'âge des jeunes. Dès avant 16 ans, un enfant a le droit de consulter un médecin s'il est capable de discernement. Il y a une automatisation de l'accès aux soins via l'assurance maladie et l'attribution d'une carte dès ses 16 ans. De la rédaction actuelle donc, du code pénal, on peut même déduire que les relations sexuelles consenties pour avec un ou une mineure peuvent ne pas faire l'objet de poursuites entre 13 et 15 ans et après. Donc notre question est donc de comment on va articuler la disposition générale concernant un mineur et les droits reconnus à l'enfant avec une responsabilité légale au seul parent.
Par ailleurs, le projet traite du recours porté devant le juge entre parents en cas de désaccord sur les abus que l'un d'entre eux pourrait faire de l'image de leur enfant. Étonnamment, la proposition de loi évoquée ne pointe pas le recours possible d'un enfant mineur contre un seul de ses parents. Il y a d'ailleurs de nombreux enfants qui n'ont qu'un parent. Elle n'évoque pas non plus dans ce cas l'hypothèse d'une demande d'intervention hors du parent qui voudrait diffuser sans l'accord de l'enfant. On le rappelle, celui-ci a un droit à la protection. Au final, ce texte est une sorte de façade, un édifice utile, certes, mais en tout cas, nous laisse un petit peu en attente. Je regrette donc, Monsieur le Président, que ce droit à la protection du corps des enfants ne soit pas envisagé comme étant une priorité éducative Merci. Partagée par les parents, par les jeunes, mais aussi par les acteurs qui accompagnent les enfants. Merci. Merci, Madame Karamanli. Madame Nema Moutchou pour le groupe Horizon. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Rapporteur, mes chers collègues. Moi, je n'ai aucun regret. Et au contraire, je voudrais remercier et saluer le travail et l'engagement de longue date du rapporteur sur un sujet qui est d'une grande actualité et qui est un des grands défis de la société d'aujourd'hui. C'est un grand combat, comme l'a rappelé le rapporteur, la protection de nos enfants à l'ère du numérique et des dangers du numérique. Je crois qu'on ne mesure pas assez les bouleversements qui ont été provoqués par l'irruption d'Internet et des réseaux sociaux dans nos vies. C'est pourquoi mon groupe tient à encourager toutes les initiatives qui permettent d'évoquer ce sujet et d'en débattre. Je pense également, et vous me permettrez cette parenthèse, à la proposition de loi du président Marcangeli qui sera examinée jeudi et qui vise à instaurer une majorité numérique à 15 ans. Alors que nous disent ces textes, et en particulier que nous dit le texte de notre collègue Studer? C'est assez bien résumé par la défenseure des droits dans son récent rapport sur la vie privée des enfants. Ce qui relève de l'intime et qui doit être préservé du regard de l'autre ne saurait être appréhendé aujourd'hui sans tenir compte de la révolution numérique que nous vivons. Ils ont profondément transformé nos modes de vie et notre façon de communiquer, et c'est vrai que nous courons encore derrière un cadre adapté. Alors en réponse, notre droit a été enrichi pour partie de manière à s'adapter à ces nouveaux canaux d'expression, cyberharcèlement, raid numérique, droit à l'oubli, contrôle parental, statut des enfants influenceurs, etc. Mais le jeu crucial de la diffusion d'images sur Internet n'est pas tout à fait réglé. Choisir de diffuser sa propre image est une chose, c'est sa responsabilité personnelle qu'on engage. Diffuser l'image de ses enfants est un autre sujet. Et les chiffres mentionnés dans l'exposé des motifs de la proposition de loi qui ont été rappelés sont proprement ahurissants. On apprend qu'en moyenne, un enfant apparaît sur 1300 photographies publiées en ligne avant l'âge de 13 ans, sur ses comptes propres, sur ceux de ses parents ou de ses proches. Et on apprend que 50% des photographies qui s'échangent sur les forums pédopornographiques ont été initialement publiées par les parents sur leurs réseaux sociaux. Notre devoir de protection des enfants est donc plus que jamais nécessaire. Si notre droit consacre déjà le droit à la vie privée de l'enfant, au même titre que l'adulte, c'est le fameux article 9 du Code civil, on observe néanmoins que la question du respect de la vie privée de l'enfant est plus floue. Nous partageons l'avis du rapporteur sur le fait qu'il conviendrait de clarifier et de préciser ce droit, tout comme le rôle protecteur que les parents sont censés exercer. C'est bien à eux, conjointement et dans l'exercice de leur autorité parentale, qu'il revient de protéger l'image de l'enfant et de s'assurer du respect de sa vie privée. Alors, en tirant toutes les conséquences judiciaires de ce principe, particulièrement en cas de conflit entre les deux parents, l'arsenal juridique proposé nous semble solide. En effet, en cas de désaccord entre les parents dans l'exercice du droit à l'image de l'enfant mineur, le juge aux affaires familiales peut être saisi. Il en a évidemment et les compétences et la capacité. En outre, si la diffusion de l'image de l'enfant par ses deux parents porte gravement atteinte à la dignité ou à l'intégrité morale de l'enfant, l'autorité parentale pourra être déléguée sur ce point par contrainte à un tiers de confiance ou à l'ASE. Ces dispositions sont de bon sens et elles méritent d'être définitivement ancrées dans notre arsenal législatif au nom de l'intérêt supérieur de l'enfant pour renforcer l'effectivité de ses droits, prévenir toute situation qui pourrait constituer un danger pour lui, un danger présent ou un danger futur. Le groupe Horizon et Apparenté sera toujours déterminé à accompagner les évolutions favorables à l'intérêt de l'enfant et sa protection et votera donc en faveur de cette proposition de loi. Merci. Madame Soumia Bourroua pour le groupe Gauche démocrate et républicaine. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Rapporteur, chers collègues. En France, selon des chiffres publiés en 2022, on comptait 53,5 millions d'utilisateurs actifs sur les réseaux sociaux. Les Français y passaient en moyenne 1h46 par jour.
À travers ces chiffres, nous voyons bien à quel point les réseaux sociaux ont pris beaucoup d'espace dans le quotidien des Françaises et des Français. Ces applications fonctionnent essentiellement grâce au contenu posté par les utilisateurs et les utilisatrices eux-mêmes et aux interactions, likes, partages ou commentaires, que ceux-ci entraînent avec les autres membres. Aussi, mettre en scène son quotidien à travers la publication de photos ou de vidéos est une pratique courante. Comme vous l'énoncez très bien, monsieur le rapporteur, dans l'exposé des motifs, nous vivons aujourd'hui dans une société dite de l'image. Les enfants sont malheureusement souvent les acteurs d'une mise en scène de la vie familiale qu'ils ne choisissent pas, puisque ce sont leurs parents qui ont la responsabilité de leur droit à l'image. Nous évoluons donc dans une société où la frontière entre la sphère publique et privée est de plus en plus ténue, où les réseaux sociaux sont pour certains une vitrine sur nos vies. Les utilisateurs et utilisatrices ne se doutent pas toujours à quel point les données qu'ils communiquent peuvent être totalement détournées et manipulées par des personnes mal intentionnées. Ainsi, 50% des photos d'enfants qui s'échangent sur les sites pédopornographiques ont été postées à l'origine par les parents eux-mêmes sur les réseaux sociaux. Dans certaines circonstances, les contenus publiés par les parents peuvent être humiliants ou dégradants pour l'image des enfants. Ainsi, et tel que la loi le permet à travers l'article 226.1 du Code pénal, toute personne ayant diffusé ou publier des images de quelqu'un sans son consentement encourt une peine de 1 an de prison et d'une amende de 45 000 euros. Il serait ainsi possible pour un enfant devenu majeur d'attaquer ses parents s'il estime que des photos ou des vidéos humiliantes de lui ont été publiées mineures sans son autorisation et qu'elles ont porté atteinte à son image. Mieux responsabiliser les parents permettrait en effet de se prémunir de ces situations. Et nous saluons le travail réalisé par Monsieur le rapporteur. À ce titre, nous partageons pleinement l'intégration de la notion de vie privée des enfants dans la définition de l'autorité parentale et le fait qu'elle est partagée entre les deux parents, sauf désaccord, et dans ce cas, nous pensons que c'est bien à un juge de trancher. Nous partageons également l'objectif de l'article 4, ouvrant la voie à une délégation forcée de l'autorité parentale dans les situations où l'intérêt des parents rentre en conflit avec l'intérêt de l'enfant dans l'exercice du droit à l'image de ce dernier. Le seul bémol que nous pourrions adresser à cette proposition, c'est peut-être l'absence d'un volet dédié à la sensibilisation et à l'information des parents à ce sujet. Dans l'un de ses rapports, le défenseur des droits, Claire Hédon, recommandait la mise en place de modules d'information aux parents et aux enfants, notamment sur les risques du numérique et sur la question du droit à l'oubli. Car toujours selon Claire Hédon, les parents ne sont pas au courant de comment obtenir le retrait de leur image sur Internet. Ce constat traduit une forme de méconnaissance des parents sur l'usage qu'ils ont de leur propre image, mais aussi sur les risques qu'ils peuvent faire porter à leurs enfants. Et je crois que mieux informer les parents permettra par conséquent de mieux les responsabiliser. Toutefois, bien sûr, nous soutiendrons cette proposition de loi. Je vous remercie. Merci. Enfin, Monsieur Jérémy Yordanov pour le groupe écologiste. Ah, pardon. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, chers collègues. Le sujet de la protection numérique des mineurs mobilise de plus en plus, et c'est heureux. Je pense notamment à la campagne de communication sur la surexposition des enfants aux écrans qui a été lancée en début de mois par le ministre délégué à la transition numérique, et nous aurons dans les prochains jours l'occasion de débattre en séance de deux propositions de loi, l'une visant à instaurer une majorité numérique et l'autre destinée à prévenir l'exposition excessive des enfants aux écrans. On le voit, les pratiques numériques des mineurs et les risques auxquels ils s'exposent sont devenus un sujet majeur, si je puis dire ainsi. Pour autant, ce phénomène ne doit pas occulter une autre dérive, elle aussi préoccupante, celle de l'exposition des enfants sur les réseaux sociaux du fait de leurs parents. Pour de nombreux parents, en effet, partager en ligne des photos ou des vidéos de leurs enfants est devenu un acte banal, mais ces intrusions quotidiennes dans la vie privée des enfants n'est pas sans risque pour leur développement, pour leur sécurité ou tout simplement pour le respect de leur vie privée. Tout ceci est parfaitement documenté et vous avez, monsieur le rapporteur, dressé un état des lieux très clair des dangers auxquels les mineurs sont ainsi exposés. Il est donc de notre devoir d'offrir aux enfants la protection qui leur est due. Le groupe écologiste salue la volonté qui est la vôtre, monsieur le rapporteur, de mettre l'ouvrage sur le métier. Pour autant, un constat n'est rien sans solution adaptée. Et le lancement de ce chantier nécessite une vision
complète et précise des leviers à mobiliser. Sous cet angle-là, nous sommes réservés sur les solutions que vous préconisez. Il nous semble que votre texte ne règle pas entièrement le problème et peut-être qu'il manque un peu même sa cible. D'abord, faut-il jouer sur l'autorité parentale pour régler la question ? Ça, c'est une première question. Nous avons en la matière un arsenal juridique assez satisfaisant. Les premières dispositions de votre proposition de loi sont d'ailleurs assez bien couvertes par la législation. Ça a été rappelé tout à l'heure par ma collègue Caramanli. Ensuite, je crois que la délégation forcée de l'autorité parentale n'est pas ou peu adaptée aux problèmes soulevés. La délégation forcée de l'autorité parentale est une mesure judiciaire très sévère, mobilisée par le juge aux affaires familiales dans des cas désespérés. Or, notre cible, ce sont des atteintes quotidiennes à la vie privée des enfants par des parents qui ne sont pas nécessairement malveillants. Ils peuvent l'être, mais ce n'est pas forcément la majorité des cas. Ce sont des parents qui, dans leur grande majorité, ignorent les dangers auxquels ils exposent leurs enfants. Et c'est avant tout un problème de connaissance, d'éducation, de prise de conscience. Ce n'est pas en évinçant les parents que nous allons régler ce problème-là. Il me semble que la sensibilisation et l'accompagnement est le meilleur moyen d'enrayer ces pratiques. Tout cela peut évidemment prendre plusieurs formes. Il y a eu des amendements déposés dans ce sens et mon groupe soutiendra les propositions qui vont vers plus d'accompagnement, de sensibilisation, de prise de conscience. Si nous partageons évidemment les intentions du texte, nous sommes réservés sur les modalités, en particulier sur la question de l'article 4, mais nous y reviendrons tout à l'heure. Et nous sommes néanmoins disponibles pour travailler un dispositif plus équilibré. Je vous remercie. Merci, monsieur le rapporteur. Merci, monsieur le président. Je vais tâcher d'être le plus efficace possible. D'abord, pour vous remercier toutes et tous pour vos propos et vos remarques toutes exigeantes. Madame Tanzili, merci pour vos propos. Effectivement, et votre vigilance nous permettra de mettre tout à l'heure au vote un amendement qui viendra utilement préciser les dispositions que je propose. Merci Madame Borde également. Sur la coordination législative avec l'autre texte à laquelle vous nous rendez attentif, évidemment que nous avons ça en vue, nous y serons attentifs. Et sur la barque qu'on chargerait concernant le JAF, en fait, il le fait déjà. On vient simplement mettre dans le droit positif une jurisprudence qui, avec les échanges que j'ai eus avec les magistrats que j'ai pu rencontrer, n'est pas du tout malvenue. Et ils sentent arriver ce problème. C'est un problème qui est en train d'arriver, en fait, avant qu'il ne dérape vraiment, je pense que c'est une précision qui est utile d'aborder. C'est mon point de vue, donc je me permets de vous le proposer. Monsieur Carbard, vous avez entièrement raison sur le conflit d'intérêts qui se met en conflit de loyauté. C'est ce qui était une des grandes motivations de la loi sur les enfants influenceurs. Quand vous avez un conflit d'intérêts entre le parent qui est à la fois protecteur et à la fois exploitant de l'image de l'enfant, vous avez derrière un conflit de loyauté pour l'enfant qui parfois a envie de dire non, mais qui, parce que c'est le parent, soit avec le lien affectif que l'on connaît, soit parce que derrière il voit les enjeux commerciaux qu'il y a, parce que ça pourrait tarir la source de financement de la famille, n'ose pas exprimer son non-consentement. Sur la réglementation des plateformes, la charte qui était prévue par l'article 6 de la proposition de loi sur les enfants influenceurs est à l'œuvre et s'agissant de ces plateformes, effectivement, on a, s'agissant des contenus qui ne sont pas manifestement illicites, que finalement l'enjeu réputationnel qui nous permet d'agir. Et je me réjouis que TikTok, sur lequel on peut partager beaucoup de remarques, je pense, ait finalement décidé de signer cette charte qui nous permettra, je pense, de poursuivre utilement le travail engagé il y a quelques années. Et sur le droit à l'oubli, pareil, la loi de 2020 vient renforcer la possibilité pour le mineur de demander la suppression de contenus qui, par ailleurs, ne lui appartiennent pas, parce que ce sont les parents eux-mêmes qui l'ont publié, avec derrière des enjeux commerciaux qui pourraient, évidemment, pousser le parent à ne pas supprimer des vidéos pour lesquelles il a pu passer des contrats. Donc je pense qu'il y a quelque chose, il y a des choses qui ont pu avancer. Monsieur Schellenberger, je partage entièrement votre point de vue. Quand on est député, effectivement, de mettre une proposition de loi permet de susciter le débat, et l'opinion publique s'en est emparée. Je m'en réjouis. Maintenant, puisqu'il fait référence aussi à la nécessité juridique de renforcer ce texte, puisqu'il faisait référence au code civil qui est lu aux futurs époux, mais je pense qu'effectivement, il est temps de rappeler
qu'une des grandes missions du parent du XXIe siècle, c'est de protéger la vie privée. Je pense que ce n'était pas du tout un enjeu il y a 15 ans. Je pense qu'aujourd'hui, c'est fondamental pour les raisons que j'ai rappelées tout à l'heure. Ça va de l'usurpation d'identité à la dignité et à la construction de l'image de l'enfant. Voilà. Donc je maintiens que... Et nous aurons la discussion sur les amendements par ailleurs. Je maintiens qu'il est utile d'abord de préciser cet article du Code civil, mais on aura le débat ici, puis on aura le débat évidemment en hémicycle avec Charlotte Cobel et Éric Dupond-Moretti qui suit ce sujet. Merci beaucoup, Madame Desjonquières, pour vos propos. Pour dire qu'effectivement, on aura un certain nombre de débats. Vous avez fait des amendements sur, d'ailleurs, justement, cet article 1 et l'article 2, sur la rédaction que l'on peut envisager. Là aussi, le débat aura lieu en partie ici, et puis se déroulera aussi dans l'hémicycle, parce qu'effectivement, je crois que s'agissant du Code civil, il faut le modifier qu'avec la main tremblante, si vous me permettez de reprendre cette expression. Mais je pense que... voilà, nous partageons le constat. Après, parfois, on peut avoir des divergences de points de vue, et il faut les assumer comme cela. Madame Karamanli, alors, vous avez raison de me chercher, puisque nous sommes là pour améliorer ce texte. Encore une fois, c'est un texte que je veux vraiment... ça fait depuis 2018 que je travaille sur ce sujet, avec ces deux premières lois, la loi sur les enfants influenceurs, la loi sur le contrôle parental, qui a un lien direct, parce que le contrôle parental, c'est apprendre aussi à se comporter sur Internet. Et le jour où on enlève le contrôle parental, c'est qu'on pense que l'enfant est assez grand pour, par exemple, protéger sa vie privée, par exemple, protéger ses données personnelles, par exemple, protéger son image. Donc c'est intimement lié. Et pourquoi est-ce que je propose cette loi? On peut discuter sur la portée normative des articles 1, 2 et 3. On peut discuter. Moi, je pense que ce sont des précisions qui sont utiles. Je pense que venir mettre dans le droit positif de la jurisprudence, c'est utile pour le JAF. Je pense que... l'article 4 est quand même très novateur et je ne partage pas votre lecture du 377. Je pense qu'il est utile de préciser pourquoi on peut envisager de donner au JAF cette capacité à procéder à une délégation partielle de l'autorité parentale sur l'attribut droit à l'image. Je pense que ça, c'était vraiment quelque chose qui n'existait pas, qui demain, si vous le soutenez, pourra exister. Je pense qu'il y a quand même un pas en avant. Après, sur... vous avez des interrogations, notamment sur l'articulation avec le pénal. Je pense qu'on pourra y revenir aussi. Vous avez fait une remarque très intéressante sur laquelle je vous proposerai tout à l'heure, mais je vous propose déjà maintenant de travailler. C'est-à-dire, effectivement, dans l'article 4, nous parlons des deux parents. Et je pense que c'est une remarque tout à fait judicieuse. Et je suis à votre disposition et puis pour d'ici la séance, améliorer ce texte. Cher Naïma, merci beaucoup pour vos propos. Nous avons partagé en 2018 le rapport d'une autre loi. Il était déjà question de ces questions sur la façon dont on accompagne les enfants, les jeunes quand ils grandissent sur le numérique. Et merci pour le soutien que vous avez exprimé au nom de votre groupe. Madame Bourroy, pour le groupe GDR, merci pour vos propos. Effectivement, vous avez raison, il y a une articulation peut-être à envisager avec le code pénal, mais je souhaitais rester... Et c'est un choix politique que je remercie mon groupe et de l'avoir soutenu, de rester sur le Code civil pour faire effectivement un texte de sensibilisation avec, dans les cas les plus extrêmes, et je veux répondre à M. Yordanov par rapport à ça, l'article 4, il est là pour les cas les plus extrêmes où effectivement, malgré tout, les parents n'auront pas été capables de prendre du recul. Et il ne s'agit pas de les évincer, mais plutôt de les inviter à prendre du recul, parce que c'est une mesure provisoire que de faire une délégation forcée. Et encore une fois, je suis vraiment prêt à travailler sur la précision que vous appelez de vos voeux quant au caractère partiel de la délégation dont il pourrait s'agir. Mais il y a des cas vraiment très graves. Et je m'y suis plongé suffisamment profondément pour avoir fait ces propositions, qui n'est pas une proposition légère, j'en ai bien conscience. Et on aura, sur un autre amendement que vous avez déposé, l'occasion de discuter de comment on peut articuler les choses avec l'ASE, par exemple, parce qu'il y a un amendement qui va dans ce sens-là. Voilà, chers collègues, j'espère avoir répondu à un certain nombre d'interrogations, et puis je me réjouis de procéder à l'examen des amendements, Monsieur le Président. Eh bien, allons-y, Monsieur le Président Studer. On va commencer par l'amendement de suppression de Madame Lelouis, l'amendement numéro 7. Alors,
Beaucoup de nos collègues ici s'interrogent sur la plus-value de cette proposition de loi, sauf communication, qui s'illustre notamment à travers cet article 1er. À quoi bon venir préciser à l'article 1er de cette proposition de loi que la vie privée fait partie du respect dû à la personne ? La vie privée fait évidemment partie du respect dû à la personne. Pourquoi ce n'était pas le cas avant ? Cette précision n'apparaît pas nécessaire. C'est pour cela que nous vous demandons la suppression de cet article 1er. Merci. Merci, monsieur le rapporteur. Oui, merci. Alors, ça sera un avis défavorable à cet amendement. J'entends vos arguments. Moi, je tiens vraiment à dire qu'il me semble qu'il ne faut pas laisser passer cette occasion de moderniser un petit peu la définition de l'autorité parentale, compte tenu des enjeux vraiment très nouveaux dont on parle. Vraiment, je pense qu'il y a, il y a 15 ans, ce n'était pas le même sujet qu'aujourd'hui. Et ça n'avait vraiment pas la même portée qu'aujourd'hui. Donc, je suis très attaché. J'entends vos réserves. Je vous remercie pour votre amendement et la façon dont vous défendez votre idée. Mais moi, je resterai défavorable. Donc, un avis défavorable, monsieur le Président. Merci. Je vais donc mettre aux voix l'amendement. Qui vote pour ? Qui vote contre ? L'amendement est rejeté. Amendement numéro 12 et suivant. Monsieur Gouffy-Valente, vous les présentez séparément ou en même temps ? Je peux les présenter... ensemble. Allez-y. Sur cet article. Mais vous me permettrez, monsieur le Président, chers collègues, déjà de saluer l'engagement et le travail remarquable de notre collègue Bruno Studer dans la durée sur ce sujet qui est une réalité, vous venez de le dire, par rapport au précédent amendement, avec un peu de... Non, mais réellement, beaucoup de sérieux, parce que c'est un combat, quelque chose qui peut paraître anodin, mais qui est une réalité partagée par de nombreux enfants aujourd'hui sur des réalités, des conséquences des outils numériques que nous ne mesurons pas encore complètement. Et vous l'avez très bien exposé sur le fait que nous devons y répondre aujourd'hui en prévision également de demain et des conséquences qu'il y aurait. Dans le premier amendement, je vous propose de compléter, de venir renforcer effectivement cette révision de l'article 371-1 du Code civil que vous nous proposez, modernisation, en venant introduire la notion de dignité, de reconnaître la dignité de l'enfant, et notamment afin de poursuivre l'objectif de ne pas dégrader l'image de l'enfant et l'intérêt de l'enfant. C'est une notion qui s'applique par jurisprudence aux personnes majeures. Je trouve qu'elle devrait s'appliquer également aux mineurs, bien entendu. Le deuxième amendement, l'amendement CL14, vise pour le coup... attendez, c'est le 14 d'abord, avant le 15. Hein. Non, c'est le 13. Voilà, c'est le 13, c'est supprimer les mots « et notamment » de cet article afin de ne pas en faire un article où la vie privée soit définie de manière exhaustive, notamment au regard de ce que vous avez dit il y a un instant sur le fait que cette autorité parentale demande à être actualisée aujourd'hui. Le dernier amendement vise à préciser que l'autorité parentale, qui est un droit inhérent aux parents, s'exerce dans le respect de la vie privée de l'enfant également sur Internet, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui et qui peut être précisé, bien entendu, dans cet article. Je vous remercie. Merci, monsieur le rapporteur. Votre avis sur les trois amendements ? Oui, merci, monsieur le député. Alors, j'ai pas du tout envie de vous donner des avis défavorables, donc je vous demanderai des retraits, mais je vais vous expliquer pourquoi. D'abord, sur la... Oui, monsieur Boudier, je sais. Mais si la majorité pouvait se tenir tranquille encore un peu. Merci, monsieur le président. Alors, sur la question de la dignité, c'est un principe absolu qui est garanti à toutes les personnes humaines avec la même force, contrairement à la sécurité ou à la majorité, qui présente des enjeux spécifiques pour les mineurs. Donc, l'inscrire en tant que tel dans l'article, moi, je propose qu'on poursuive le débat en hémicycle avec le garde des Sceaux qui sera présent. Moi, pour les raisons que je viens de citer, je demanderai un retrait. Par ailleurs, il ne s'agit pas d'un principe spécifique à la relation entre les parents et les enfants. Voilà. Sur le deuxième, sur le notamment, évidemment, nous avons eu ce questionnement au cours de nos réflexions, et j'ai décidé de le conserver, notamment après avoir consulté les services à la chancellerie, pour ne pas sous-entendre que le respect dû à la personne, tel qu'il est actuellement prévu dans l'article 371-1, excluait alors la vie privée. Voilà. Donc,
Donc, je vous demanderai un retrait sur la base de cette... Et sur le dernier, alors c'est un sujet que je connais particulièrement bien parce que c'est en lien notamment avec le contrôle parental. Je pense qu'il est satisfait parce que l'autorité parentale s'exerce de manière générale. On a pour le coup développé beaucoup d'outils. Le décret qui va fixer les caractéristiques minimales du contrôle parental qui va être obligatoirement préinstallé sur les appareils permettant de se connecter à Internet doit être publié incessamment sous peu. Donc là aussi, en vue de la séance, un retrait. Ça n'est pas une position défavorable de principe, pas du tout. Mais j'espère vous avoir convaincu avec ces arguments, ces députés. Monsieur Gouffier-Valente. Oui, non, je vous remercie, monsieur le rapporteur. Je retirerai le CL13 et le 14, où j'entends les remarques et on pourra poursuivre l'échange, mais je maintiendrai celui sur la dignité. Et notamment, ce qui m'a convaincu, c'est au regard de, quand je vois les vidéos, le phénomène du prank, qui prend de l'ampleur du phénomène. Alors, vous l'avez vu, vous l'avez évoqué tout à l'heure, ce phénomène qui vise à se moquer, enfin mettre ses enfants dans une situation indigne, pour le coup, qui terrorise même les enfants, et les poster sur les réseaux afin de faire du like à travers la moquerie de la peur de leur enfant. Je pense que ça pose la question de la dignité et que celle-ci devrait être, en tout cas ce principe devrait être inscrit dans cet article du Code civil. Donc je maintiendrai cet amendement, donc le premier, et je retire les deux suivants. Merci. Donc je vais mettre aux voix l'amendement numéro 12. Qui vote pour ? Qui vote contre ? Il est rejeté. Amendement numéro 23, Madame Desjonquières. Merci, Monsieur le Président. Alors, pour cet amendement-là, le groupe démocrate, effectivement, partage donc l'objectif poursuivi par la présente loi, c'est-à-dire de garantir la préservation des intérêts de l'enfant à l'aune de l'exercice de son droit à l'image. S'il est acquis que les solutions ne reposeraient pas exclusivement sur les outils informatiques, mais également sur l'engagement des parents, dont l'acceptation devra être requise, puisqu'il s'agit ici d'une proposition de loi de responsabilisation des parents, vous avez, monsieur le rapporteur, vous avez fait le choix d'introduire la notion de vie privée dans la définition de l'autorité parentale, et donc effectivement d'introduire une modification dans l'article 371.1 du Code civil. Et donc effectivement, notre amendement porte en fait, par souci de cohérence et de lisibilité, qu'effectivement, en fait, on voudrait rajouter, on trouvait opportun de préciser au sein de cet alinéa que les dites décisions devraient également porter sur l'exercice du droit à l'image de l'enfant selon son degré d'âge et de maturité. Et je me permets juste ici de rajouter également que notre amendement sur cet article 1 fait le pendant avec notre amendement déposé à l'article 2. Voilà, pour parler des deux maintenant. Monsieur le rapporteur. Bien sûr, et c'est comme ça que j'avais compris. Alors, j'ai un léger désaccord sur la façon de rédiger la chose, puisque c'est vrai que nous avons recréé cet article 372-1. Et donc, moi, je pense que ma préférence va à la rédaction telle que je l'ai proposée initialement. Donc, il y a une différence d'appréciation sur la façon dont il faut rédiger la chose. Moi, je suis attaché au rétablissement de l'article 372-1. Donc, j'émets un avis défavorable, non pas sur l'esprit, mais parce que simplement, après avoir beaucoup réfléchi, et on a encore cet après-midi travaillé la question, je préfère, dans un premier temps, garder la rédaction telle que j'ai proposée initialement. Et puis, on aura la discussion avec les ministres au banc, si vous le souhaitez, en hémicycle. Et donc, ce serait plutôt une demande de retrait, parce que ça m'obligerait à donner un avis défavorable, ce que je ne voudrais pas faire. Voilà. Vous retirez ? Oui, voilà, demande de retrait, oui, enfin, effectivement. C'est vrai que on change pas le fond, en fait, c'est plutôt dans la forme, plutôt un aspect rédactionnel qu'autre chose. Donc, oui, demande de retrait, ok. Merci. Donc, je vais mettre aux voix l'article 1er. Qui vote pour ? Qui vote contre ? L'article 1er est adopté. Amendement numéro 6 de M. Benz, il n'est pas défendu. Le 25, Mme Desjonquières. Donc le 25 était effectivement le pendant de l'amendement 23 sur l'article 1. Donc je maintiens le retrait, évidemment. Donc retiré, je vais mettre aux voix l'article 2. Qui vote pour, qui vote contre, il est adopté. Amendement numéro 10 de M. Acquaviva n'est pas défendu. Amendement numéro 22, Mme Tanzili. Ah, c'est moi. Merci.
Monsieur le Président, cet amendement est un amendement de précision sur la portée de l'interdiction qui peut être prononcée par le juge et qui précise qu'effectivement, seuls les contenus relatifs à l'enfant peuvent faire l'objet d'une interdiction de publication. Monsieur le rapporteur. Oui, c'est une précision quand même utile, puisque sinon il y a un vrai risque d'inconstitutionnalité. Parce que dans la rédaction initiale, l'article 3 permettait au juge d'interdire à un parent de publier tout contenu sans en préciser les limites. Donc ça serait une atteinte disproportionnée à la liberté d'expression, donc on vient restreindre les choses. Et donc je pense qu'il est très recommandé d'adopter cet amendement. Bien, donc je le mets aux voix. Qui vote pour? Qui vote contre? Il est adopté. Je mets aux voix l'article 3. Qui vote pour? Qui vote contre? Il est adopté. Article 4, l'amendement de suppression, monsieur Carbra. Monsieur le rapporteur, il faut encore... La parole. Obstruction du rapporteur. Donc par cet amendement, nous demandons la suppression de l'article 4. J'entends de toute façon ce qu'a pu dire dans son propos liminaire monsieur le rapporteur sur les garanties. Et nous avons eu l'occasion de pouvoir en échanger dessus de toute façon en amont. Pour nous, en fait, c'est un continuum et nos amendements, et je le redis, vu que nous sommes sur une journée où nous avons eu beaucoup d'irrecevabilité sur nos amendements, étaient sur un continuum qui va de la formation à l'application de l'article 378, qui est le retrait de l'autorité parentale, et de la nécessité de réfléchir tout ce texte et comment on applique ce droit à l'image par rapport à un continuum qui va, en effet, de l'éducation aux établissements, en passant ensuite par les services concernés qui soient formés, et ainsi de suite. Et nous pensons, en fait, que l'article 375, en fait, règle déjà la situation et n'a pas besoin, et donc nous n'avons pas besoin d'un arsenal en plus pour pouvoir alourdir. C'est notre position. Cependant, je pense que nous pouvons travailler ensemble la suite du texte sur les autres moyens, et comme a pu le dire mes autres collègues sur les nécessités de formation, nous laissons notre amendement de suppression pour le moment en amendement d'appel, mais nous sommes disponibles pour en améliorer et discuter sur le projet pour la séance. Madame Borde, pour un amendement identique. Oui, merci Monsieur le Président. Effectivement, par cet amendement, je sollicite la suppression donc, de l'article 4, puisque cet article 4 effectivement vise à élargir la possibilité d'obtenir la délégation totale ou partielle de l'autorité parentale. Il rajoute un cas très précis, qui est la diffusion de l'image de l'enfant par ses deux parents, lorsque cette diffusion porte gravement atteinte à la dignité ou à l'intégrité morale de l'enfant. Mais il me semble que ces hypothèses sont déjà satisfaites par les articles 378 et 378.1 du Code civil, puisque le cas qui est visé, effectivement, la diffusion de l'image de l'enfant par ses deux parents qui porterait gravement atteinte, à mon sens, ne paraît pouvoir résulter que de la publication de photographies à caractère pédopornographique ou de photographies témoignant de traitements portant atteinte à la santé, à la moralité de l'enfant ou de violences commises à son encontre. Ce sont à minima des délits, voire des crimes. Donc, effectivement, ça rentre totalement dans le champ des dispositions des deux articles visés, 378 et 378.1, qui permettent le retrait, puisque dans ce cas, c'est retrait de l'autorité parentale par le JAF, soit lorsqu'il y a un jugement pénal qui le prévoit, soit s'il n'y a pas de jugement pénal. Donc, cet article ne me paraît pas utile par rapport aux objectifs qu'il poursuit. Monsieur Ordaneuf, pour un amendement identique. Oui, comme dit dans la présentation, il nous semble que c'est vraiment en dernier recours. Et alors j'entends votre argumentation pour dire que c'est vraiment dans les cas les plus graves. Enfin, là, on est sur une délégation de l'autorité parentale. Il nous semble qu'il faut préciser peut-être la portée de cet article pour pas que ce soit trop vaste. Et en tout état de cause, on ne peut pas adopter une mesure comme ça sans mesure de prévention plus large, d'éducation, des mesures pour les parents. Je reviens pas dessus. Monsieur le rapporteur. Oui, merci. Donc, comme j'ai eu l'occasion de le dire dans la discussion générale et dans les réponses aux interpellations, j'ai bien conscience que cet article 4, il soulève un certain nombre de critiques. Et c'est vrai qu'il est vu comme étant le dernier étage de la fusée après les articles de prévention qui sont les articles précédents. Et je suis attaché pour les cas les plus graves. Oui, il ne s'agit pas d'ailleurs d'actes de pédophilie ou de pornographie ou de maltraitance. Quand on fait une mauvaise blague à son enfant, on est typiquement dans ce
dans ce cas où on ne va pas les retirer l'autorité parentale pour une mauvaise blague. Par contre, on peut, sur un temps donné, effectivement, procéder à une délégation forcée de cette autorité parentale sur l'attribut, droit à l'image. Donc, moi, je souhaite évidemment prévoir la délégation forcée pour les cas les plus graves, qui ne relèvent pas nécessairement du champ pénal. C'est bien ça l'objet de ce texte, et qui ne s'accompagne pas forcément par ailleurs d'un désintérêt pour l'enfant ou d'une impossibilité à exercer l'autorité parentale. Et je ne crois pas au risque d'un contrario, puisque nous prévoyons un cas nouveau dans une liste qui est aujourd'hui très restrictive. Donc je crois que cet ajout est utile, mais j'entends qu'il puisse paraître disproportionné. C'est pourquoi nous avons précisé que les atteintes devaient être graves, mes chers collègues, pour conduire à la délégation forcée. C'est d'ores et déjà précisé. Cette délégation, elle peut être partielle ou totale, mais il faut faire confiance au juge qui ne prononcera la délégation totale que dans les cas d'une extrême gravité. Ce que nous souhaitons, c'est en priorité lui donner la possibilité de prononcer des délégations partielles limitées à l'exercice du droit à l'image. À ce stade, c'est donc le dispositif le plus équilibré que nous ayons trouvé, mais peut-être que nous devons encore réfléchir, que ce soit par exemple en amont, en nous appuyant peut-être, chers collègues, sur l'article 75-2 du Code civil qui permet au juge de désigner une personnalité qualifiée pour aider les parents. Ça pourrait faire référence à cette possibilité en amont de la délégation, par exemple. Donc je suis ouvert à continuer à travailler d'ici la séance, mais par contre, je suis opposé à une suppression sèche du dispositif, ainsi que je vous l'avais déjà annoncé, mes chers collègues, donc je donnerai un avis défavorable, mais à votre disposition pour améliorer le dispositif. Bien, je vais mettre aux voix les amendements de suppression qui votent pour, qui votent contre. Ils sont rejetés. Amendement numéro 27, c'est un amendement de précision, rédactionnel, pardon, monsieur le rapporteur. Rédactionnel. Je le mets aux voix, qui vote pour, qui vote contre, il est adopté. Le 11 n'est pas défendu. Pour l'article 4, qui vote pour, qui vote contre, il est adopté. Après l'article 4, monsieur Jordanov pour l'amendement numéro 24, s'il vous plaît. Pardon. C'est dans la philosophie d'avoir plus de prévention. Cet amendement propose un accompagnement qui peut prendre plusieurs formes. Et ici, c'est d'étendre le champ de l'aide à domicile accordée par les services de l'aide sociale à l'enfance. Il s'agirait de compléter l'énumération des prestations assurées par des professionnels de l'action sociale en incluant un accompagnement des parents à l'exercice du droit à l'image de leur enfant. Cette mesure serait cohérente avec les missions actuelles confiées aux services de l'aide sociale à l'enfance, qui sont d'apporter un soutien aux familles confrontées à des difficultés, risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité des mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif ou moral. Voilà, donc je crois qu'on est dans la lignée de leurs prérogatives. On est sur une mesure éducative qui nous... Alors, ça ne va peut-être pas concerner les cas les plus graves, mais en tout cas, la majorité des cas, et je pense que ce serait une première étape dans ce sens. Merci. Monsieur le rapporteur. Alors, Monsieur Giordano, j'ai une réserve et une proposition. La réserve, c'est je pense que ce n'est pas tout à fait très opérationnel parce que cet accompagnement, il est attribué par le président du conseil départemental qu'à la demande ou avec l'accord du parent qui identifie rarement de même leurs difficultés avec le droit à l'image de leur enfant. Donc, j'ai une petite réserve là-dessus. Et je pense que, pour le coup, c'est ce que j'indiquais tout à l'heure, peut-être pour nous appuyer sur l'article 375-2 du Code civil, qui permet au juge de désigner une personnalité qualifiée pour aider les parents, et donc traiter cette question de l'amont. Donc j'entends votre remarque. D'ailleurs, moi je vous invite à interroger d'ailleurs la ministre quand elle sera au banc sur le sujet de la formation de la compétence de l'ASE, par exemple, sur ces sujets-là. C'est une chose à laquelle je ne peux pas répondre moi-même. Donc c'est pas un avis défavorable, c'est plutôt une demande de retrait, avec les deux, la réserve et la proposition que je vous ai formulée. Monsieur Jordanov. Le retirer en attente de l'examen de vos suggestions et je le réintroduirai éventuellement en séance. On verra. Je vous remercie. Merci. Et enfin, monsieur Gouffier-Valente pour l'amendement numéro 15. Oui, merci, monsieur le président. Un amendement travaillé avec les associations l'Observatoire de la parentalité et de l'éducation numérique, le Conseil français des associations pour les droits de l'enfant et le caméléon. Un amendement qui vise, pour le coup, à renforcer les sanctions délictuelles à l'encontre des parents particulièrement malveillants vis-à-vis de leurs enfants dans l'utilisation de certaines vidéos qui peuvent, on va dire, tangenter à la maltraitance. Donc un amendement qui vient
Après le premier alinéa de l'article 226-2-1 du code pénal, insérer l'alinéa ainsi rédigé. Lorsque les faits prévus au précédent alinéa sont commis sur un mineur de 15 ans, les peines sont portées à 3 ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende. Le délit est constitué, même si les faits sont commis sur un mineur par le titulaire de l'autorité parentale. Je vous remercie. Merci, monsieur le rapporteur. Oui, alors effectivement, votre amendement vise à prévoir une aggravation en matière d'atteinte à la vie privée ayant un caractère sexuel. Alors la question que je me pose, c'est entre, par exemple, la publication d'images de l'intimité qui sont déjà aujourd'hui pénalement répréhensibles, y compris par les parents, et la pédophilie et la pornographie, qu'est-ce qui peut, en termes de caractère sexuel, exister entre les deux choses? Donc j'ai l'impression, à première lecture, que votre amendement, il est satisfait. Là aussi, je veux bien qu'on en rediscute pour d'ici la séance, notamment avoir une articulation plus claire avec le code pénal, sachant que la priorité de cette loi, effectivement, c'est de rester sur une modification du code civil. Donc, une demande de retrait, monsieur le député. Oui. Mais monsieur Boudier, ça ne surprend pas. Monsieur Gouffier-Hollande, pardon. Alors, voilà. Je le retire, on en reparle d'ici, en tout cas, on le retravaille d'ici à la séance, monsieur le rapporteur. Bien. Donc je mets aux voix à l'intégralité de la proposition de loi de M. Studer, qui vote pour, qui vote contre. Elle est adoptée à l'unanimité. Je vous remercie. Je vous demande de ne pas nous quitter. On a encore une toute dernière chose à faire. J'appelle la rapporteure de la PPL contre la récidive. On va suspendre une minute pour enlever la vidéo derrière moi.